Hey, salut les amis, c'est Jolie Dream, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour le petit live anniversaire. Et ben voilà, j'ai plein de monde avec moi. Oh, bah oui. Ah, c'est un beau blanc, oui. Ça. C'est moi qui ai commencé. Voilà, hop. On va plus se présenter, je dois pas en sortir. Ouais, non, si on doit vous les petits nouveaux quand même, peut-être. Oui, les petits nouveaux, il y a les modos qui nous ont rejoints, Kibo et Darky, il y a Coproglotte, que vous n'avez pas de voir, qui est le chéri de Alta, Alta que vous avez déjà un petit peu vu, Knut, je vous présente pas, Gab, yeah, que vous n'avez déjà vu, donc voilà. Et donc, ce live, c'est pour fêter ben, mes 28 ans, et ben, aussi les 18 000 abonnés, que voilà, 18 000, c'est un chiffre. Voilà, donc ben, merci à vous d'être là, merci, j'espère que vous êtes heureux d'être là. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre de la musique, donc je vais vite mettre un petit peu de musique pour que ça soit un peu plus sympa pour vous. C'est fabuleux. Bon, je vais juste regarder pour pas mettre la musique trop fort, pour pas que ça vous éclate les oreilles, les sushis. Ouais, ça devrait aller. Voilà. Wouh ! Avec le fairy qui fait plein de paillettes, c'est trop cool, et vous voyez rien du tout avec le fairy. Oups. Non, ça. Oups. Si vous avez mis le son du live, coupez-le. Oh, c'est fabuleux. Oh là là, que c'est magique. Rien que ça, c'est tellement beau. Et donc, là, vous pouvez déjà voir. Et donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. Donc, il y a... Je vais prendre des statues pour que ça puisse se voir. Il y a Kibo, Darky, Indara, Zop, Yux. Bienvenue à la personne qui nous a rejoint. à Mademoiselle Laura du 46. Et qui d'autre? Je regarde, c'est de reconnaître les statues, purée, j'ai pris, j'ai noté tout le monde. Ah, Jody, ton live est hors ligne, y'a tout le monde qui bug. Bug? Ouais, y'a plus de live là, je ne vois plus. Ah, super, ah. Bah c'est bien. Je vais vite relancer. Génial. Si, voilà. Après, si je suis en de faire un truc dégueulasse, vrai, le tabret. Est-ce que quelqu'un peut mettre. Est-ce qu'un modo peut mettre un petit mot pour dire qu'il y a un refresh à faire dans le truc pour pas que ça dérange toutes mes fenêtres? Ok. Un petit mot dans le truc qui fasse un refresh, le live est relancé normalement. J'espère que vous m'entendez, que vous voyez. Bon, je vais juste aller quand même poser. Non, mais stop. Qui a fait ça? Le ferry. Au truc. S'il vous plaît. Ne déconnez pas. Hop. Il n'y a que Jody qui peut rentrer. En premier. Donc, hop. Ah. De ce que je vois, ça marche. Voilà, donc. On pourrait pas faire en sorte que ce soit la ah, nuit. Magnifique. La entrer nuit dans ta boîte. Ouais, si tu veux. Pas plus sympa, non. Voilà, c'est la nuit. Ah. Ouais, c'est trop bien. Bah, moi aussi, ce qu'il y a, c'est que j'ai le mode de Dark qui fait la nuit multicolore. Ah, ouais, c'est vrai. On n'a jamais été autant sur Terra Cube, les gars. Je vais. Oh non, jamais. Ah, avec la petite corde, ça fait quoi? Allez, avance, avance. J'ai trop peur. Avance. Wouh, c'est super. Hop, donc je remercie beaucoup les personnes qui ont fait statue, qui m'ont aidé à faire la salle parce que franchement, on l'a commencé lundi, on a travaillé d'arrache-pied pour la faire. Et wow. Je m'entends en écho chez quelqu'un qui a mis le son du live. Est-ce qu'il peut juste couper le son de son live de son côté vu qu'il a le son en direct? Donc bah voilà. Voilà les amis, bienvenue dans cette magnifique salle des fêtes de Pandatown avec Miko Hatsune qui nous joue de la musique. Nous avons également notre DJ merci, Super Sonico. Et pourquoi t'as un bouton toi? J'ai sauté. Non. Peur. C'est là qu'on va voir si le système fonctionne. Boum! Ah, GG, Zop! GG, bien joué. Donc, vous entendez pas à cause de la musique, ah, mais ouais, en fait, bon, ça fait jouer les anniversaires, en fait, les amis. Parce que j'ai dû baisser le son de Minecraft pour pas que ça vous peine dans les oreilles. Merci beaucoup, Zop. C'est toi qui l'as fait, Zop, tu m'en avais parlé tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Donc, cette salle, bah, il y a des petites... Il y a des petites quêtes donc pour l'occasion, donc si vous désirez, on marche sur les tables ici, wouhou, si vous désirez parler à Blackwell, il a une petite quête à vous donner, avec un petit cadeau qui ne vous servira à la base juste pour le swag, voilà,
Bienvenue à Tio de Pomme qui nous a rejoint dans le clan des Sushinous. Il y a ta petite fille qui danse comme oui, ça. Oui, elle est trop mignonne et je crois que Knut et Katon ont bien pris soin amie, d'elle. Mozzarella. Oui. le cadeau que Blackwell a à vous donner, c'est un cadeau qui est juste à la base pour le sac, mais qui pourrait servir dans d'autres petites quêtes un peu bonus. Donc voilà. Donc, si quelqu'un a envie de faire une petite danse, une petite présentation, il peut aller sur scène. Hein, voilà, si vous avez une petite chanson à chanter ou quoi. Léa et Marco vous offrent toute la nourriture que vous désirez. Voilà, il y a des sushis, parce qu'on fête aussi les 18 000 sushis qui sont sur la chaîne maintenant, parce qu'on est plus de 18 000, les gars. Et ça, c'est super. Franchement, je suis grave contente. C'est un beau cadeau d'anniversaire que vous m'avez fait. Donc voilà, il y a de la glace, enfin voilà, il y a vraiment tout ce que vous voulez. J'ai pensé aussi aux végétariens, mettant des plats végétariens. Ouais. Voilà. Marco, il ne servirait pas de l'utopium en même temps parce qu'il a des yeux un peu pétés. Je ne sais pas, bienvenue à Amina Dreams. Okay. Bonjour monsieur. Et donc je tiens aussi à préciser que les quêtes ici ne sont prenables, ne sont faisables qu'une fois. D'accord. Ok. Mmh, bonne pizza. Voilà. Donc si vous voulez prendre des petits stuffettes mushroom, si vous pouviez éviter de mettre le feu au truc, ça m'arrangerait. Moi je vais prendre des petits... Allez, c'est bon, il y en a qui encaissent déjà mal l'alcool. Bah, ah ouais, là, c'est fait, là, il y en a qui sont bourrés, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est Youx, je suis sûr que c'est Youx. Il y a quelqu'un, un arc enchanté flamme. Une petite chanson. Donc aussi, je sais pas ce qui se passe, il y a quelqu'un qui m'a filé du Coca-Cola, je vous remercie. Ils vont faire leur stock de bouffe pour les jours à venir, je le sens. C'est ça, on a pris nos backpacks et tout ça. C'est ça, quoi. Non mais vous pouvez, moi. Vous pouvez, hein, c'est un event, les gars, profitez-en. Regardez, il y a déjà Iron Gabi qui danse sur le bar, là, en mode Coyote Girl, là, c'est fait. Allez, vas-y, montre. Non, ta gueule, je dis. Moi j'ai pris juste des petits stuffed mushrooms, moi, comme entrée. Voilà, j'ai pris juste ça. Et donc. Bah, moi je profite Glenn, de l'occasion. Glenn, qu'est-ce que tu fais à ma santé? Oh non, c'est pas la. Si, c'est pas la bonne. Oh non, c'est la mythe. Si tu veux faire ça, y'a le sous-sol, hein, Glenn, hein, je te rappelle. Hein? De quoi? Qu'est-ce qui se passe au sous-sol? Bah, tu sais très bien ce qui se passe au sous-sol. Oh. Ah bon? Non, ça va dire de pas dès le début. On arrête. Stop. Et l'étage, on n'a pas été voir à l'étage. Non, bah vous pouvez aller voir à l'étage si vous voulez. Il y a vanilla et chocolat. Donc à l'étage, bah il y a juste une petite. Mais c'est qu'est-ce que c'est? Kibo a son live allumé. Bah de temps en temps, de loin. Ah mince. Ok, c'est on s'entend chez Kibo en fait. Ouais. Je vais juste baisser le son de Kibo. Et je crois que c'est ça en fait. Je vais ajuster le volume d'écoute de Kibo quand ça sera revenu. Oh, elle a un beau skin, dis donc. Mais Kibo, oui. Pour l'occasion. Mais oui, moi j'ai juste fait comme d'habitude. Je me suis pas pris la tête. Oui, Kibo, oh purée, elle est super belle. Hein. Waouh. Elle a mis son kimono de soirée. Ah, mais trop. Il y a quelqu'un qui joue avec les CD en dessous. Oui, il sort, mais ce que j'ai entendu. Donc, on n'a pas mis de meubles sur l'étage, parce qu'on s'est. Enfin, sur la terrasse d'eau, parce qu'on s'est dit qu'il. Enfin, moi, je me suis dit qu'il faisait froid, donc voilà. Voilà. Je vais rentrer. Bah, moi, je profite de l'occasion, j'ai jamais pu voir les nibards de Tsune, donc. Bienvenue à Rosemary Quedor. Voilà. Je sais pas qui c'est. Rosemary Quedor. Ah, je vois qu'il y a mon beau-frère, il y a une brother qui est là sur le test qui s'est muté, c'est très bien. Et il y a une Dara qui est avec nous. Faudra arrêter parce qu'il y a des gestes un peu trop. Oh, bon anniv, il y a quelqu'un qui s'est fait un compte, bon anniv jeudi. Bah, je vous remercie, c'est très gentil. Donc, s'il y a des pervers ici, hein, qu'ils aient calmé leur base Insta dans le club privé en dessous, hein, vous savez. Bah, ah, oui, c'est vrai, oui, c'est bon. C'est bon. Ouais, il y aura plus personne, hein, enfin. Oh, allez. Ah bah voilà, ils sont tous... Il y a déjà quand même 6 personnes qui sont en dessous, quoi. Voilà, on va montrer au sushi la grosse bêtise qu'on a faite. Il y a un club de... Je veux dire, il y a tous les mecs, mais non, il y a juste Alta. Il y a juste Alta, la seule meuf qui vient voir. On accompagne mon chéri partout, c'est pour ça. Ah voilà. Tu sais, bah c'est vrai, tu t'es mis du bon côté, il me semble. Hein. Oui, mais. Il y a son prote qui lui jette des delight enemy. Il lui jette de la bouffe à la tranche.
Ariane, s'il te plaît, pour certains, mais pas comme ça, parce que ça fait trop. Allez, quand on se met comme ça, ça fait. Ça fait. Ah. Oh purée, non. Il faut pas regarder ce que je suis en train de faire en fait. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Je ne sais pas. J'essaie juste d'avoir une main libre pour tripler les fesses de la danseuse. Estella et Sarah Bois. Bah moi j'ai pas moi j'ai les mains Soja, qu'est-ce que tu veux me faire là? Pourquoi tu te mets là comme ça devant moi? Ah ça l'est là. Vas-y, faut mettre la danseuse en un coup. Excellent. Il faudrait merci Fred. Merci Fred, c'est super gentil. Il y a Fred Lawless qui m'a fait un don de 20 euros. Fred, c'est super gentil. Fred, merci. Je te fais un gros bisou. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, comme ça. Moi aussi, les abonnés, ils participent aussi à mon PC. Je vais pouvoir manger. Je vais pouvoir mettre de la bolognaise sur mes pâtes. Ça, c'est cool. C'est pour la bolognaise. Oh, mes hommes qui jettent de la bière partout. Mais c'est quoi ce manque de respect? C'est quoi ce manque de respect? Indara, est-ce que tu sais t'assurer que ton frère est bien sur le serveur? Ouais. Qu'il puisse aussi un peu profiter, même s'il entend tout ce qui est sur le TS, comme il y a sur du bruit chez les parents d'Indara, j'ai proposé juste qu'il puisse nous écouter, mais qu'il se mute. Bah voilà, en fait, je crois qu'ils préfèrent tous rester en bas, en fait. Je me demande bien pourquoi. Voilà. C'est pas grave, on va garder tout le gâteau pour nous, Alta. Joyeux anniversaire jeudi, c'est Cla, bah merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne, j'aime bien les gens qui font des comptes exprès. Ah là là, on est 89 à regarder les gars, c'est super. Donc je tiens aussi à préciser que Mozzarella donne sa quête habituelle, mais que Rose a l'air voilà, elle a un truc à dire, et donc ceux qui ont envie de se faire un petit peu d'XP gratos, voilà. Parlez-lui. Et je vais déjà me rhabiller si vous voyez ce que je veux dire. Non, du tout. Non, tu étais à poil, c'est je dis. C'est clair. Bienvenue à Alexis Simsprod. Si parfois je dis pas vos pseudos, que je vous essaie quand même de vous faire un petit à la caméra pour les moments où je parlerai ou quelqu'un parlera pour pas couper les gens. Donc je vous conseille tous de parler au PNJ, hein, de faire la quête que... Tout le monde a fait la quête de Blackwell? Oui, non, pas moi. Bah vous parlez simplement, vous faites un clic droit auprès de Blackwell et il vous donne une quête normalement. Vous me dites bien s'il l'a bien donné, s'il faut, j'irai vite checker ça. Mais c'est qui me frappe? Y'a quelqu'un qui me frappe pour mon anniversaire? C'est méchant. Je vais me cacher là. C'est Coproglotte. Non, non, il te donne un cadeau. C'est quoi? T'as fait un pyjama. Oh, tu m'as fait un pyjama. Oh, j'ai même des petits chaussons, merci. Oh, regardez, c'est trop mignon. Et moi, je t'ai fait le sac qui va avec. Hein? Oh, merci. Merci, c'est trop mignon, merci. Enfin, je vais peut-être pas les mettre maintenant, parce qu'ils vont pas vraiment, ils vont pas vraiment me protéger pour ce qu'on va faire très bientôt. Une personne nous a rejoint, etc. Il est avec nous sur le TS, hein. Limite, prends le tête à part. Comment? Problème de mode, ok. Est-ce que tout le monde se tait ou alors j'ai un bug avec TS? Non, c'est juste qu'il y a un peu tout le monde qui se tait. C'est fabuleux ça. on boit tes paroles. Oh, vous êtes adorables. Donc, est-ce que. Comment? Comment, Soja? C'est le plus beau des cadeaux, le silence. Oh. Donc, est-ce que tout le monde a pris la quête de Blackwell et la petite quête de la Miss Rose? Oui. Moi, perso, je l'ai prise. Je vais juste rehausser le son de Kibo, pour qu'on puisse la réentendre, quand même. Oui. Voilà. Ils existent. Voilà, désolé, Kibo. Donc, tout le monde a pris les deux quêtes? C'est bon? Ouais. Yep. Je suis en robe de soirée, mais je m'en fous, je vais quand même défoncer. Moi, j'ai saoulé ta fille, je lui fais de la bière. Ouais! Mort! C'est la bière, c'est la boisson des vrais hommes. Oui, mais c'est une petite fille qui a genre 8 ans, quoi. Ça serait peut-être bien de pas...
Bah, c'est pas grave, comme Haïti League, on l'entendra plus. Détail. C'est un détail. Bon. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, en fait, ma fille, pour ceux qui ont lu? Ah elle mince, Knut, il a bugué. Une tête de loup, enfin, un crâne de loup. C'est pas grave, je l'ai tout de suite. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'a dit la fille, vous disiez? Je veux qu'on aille... Il y avait des méchants démoniaques et qu'il fallait qu'on lui ramène un de ses crânes. Ok, voilà. Donc, bah les gars, bah, y en a qui savaient depuis un petit temps que je bossais entre guillemets là-dessus. Bah voilà, donc on va aller, je vous propose qu'on aille tester tous ensemble Donjon Loup. Donc, je dois préciser que pour l'inauguration, il y aura des coffres. Merci à Jody la meilleure. Vous êtes adorable avec vos petits mots. Donc oui, il y aura des coffres et il faudra parfois bien les chercher. Donc voilà, si vous avez du matos à aller chercher, je le rappelle, c'est maintenant. Vous avez tout votre matos sur vous, c'est bon? L'outil est tout nu. Ah, il a perdu son épée. Quelqu'un a pris ton épée? C'était une épée dans la cave, dans mon inventaire. Dans le club privé, apparemment, il a perdu. Ah. Moi, c'est moi qui l'ai, elle est dans mon inventaire. Et Gab, ton truc, là, il est légal, là, ton truc? Mais, je l'ai refait. Il vient pas de Skyworld? Nope. C'est bien. C'est qui nope, refait suite. Viens devant la salle des fêtes. Tellement OP le gaming. Mais ne marchez pas sur les gâteaux! Un peu de respect! Mais quoi, ça y aurait... C'est Alta qui les a fait! C'est meilleur de piétiner comme ça. Ah, c'est vrai? Ah bon, bah d'accord, ok. Hein. Ok, oui, voilà, on piétinons les gâteaux, voilà. Tous sur les gâteaux, hein. Ouais! Pom pom pom, parti! Parti! Wouh! Parti! C'est fabuleux! On fait les trucs les plus utiles du monde, les gars! Là, c'est de la bonne game, hein, là! Là, c'est de la bonne game! Allez! Donc, bah, si vous avez tous pris la quête de Rose, je vous propose que, bah, tout simplement, bah, on aille péter. J'ai oublié une pioche, je reviens. J'en ai une. Ah, bah, je refais demi-tour alors. Bon. Maintenant, c'est vrai qu'elle a pas dit où se trouvait le donjon loup, mais s'il y en a qui savent où est Martin, bah, c'est dans le coin de Martin, vous avez qu'à me suivre de toute façon. Moi, je vais récupérer. Y'a Yux qui se tait depuis tout à l'heure, ma puce, ça va, tout va bien? Oui, j'ai juste rien à dire. Oh, bah je voulais quand même dire que t'étais là. Hein. Et comme je me mouche souvent et que je cherche aussi ma 3DS parce que j'ai merdé pour ma vidéo d'aujourd'hui. Ah merde. Bah voilà, je préfère faire mes recherches et mes mouchages dans le cinéma. Les gars, rien que de vous voir tous, là, ça me fait grave plaisir. Quoi. Ça t'émoustille. Ah oui, ça m'émoustille, mais complètement. Et moi, j'ai pu venir alors que tout espoir était perdu. Ah, mais c'est trop ça, quoi. Donc, désolé les amis si on ne lit pas toujours les commentaires. Aux pauses, rassurez-vous, je les lirai. Quand on fera une pause, je les lirai. Donc, donc, je reprécise, les gars. Donc, je sais pas si y en a qui ont vu sur le groupe TerraCube. Donc, il y aura peut-être pas des... Ah, je me fais casser le gars par un loup. Ça commence bien. Pitié Martin le pêcheur. Allez hop! Oh pardon! Je sais même plus où il habite. J'adore, y'a tout le monde qui se met des beignes! Bah, c'est justement pour ça que je préférais qu'on évite de prendre les Lovely Robots parce que si on y va. Voilà! Et il faut vite se dépêcher de rentrer parce qu'en fait, ils repopent assez vite ceux-là. Quand vous allez rentrer, vous allez marcher sur une trappe, vous passerez tous en mode aventure. Et le serveur, moi ça vient de cracher de mon côté. Moi aussi. Ok, tout le monde a craché, c'est super! Le serveur est fermé, d'accord. Merci OMG serveur. No respect. Ah ouais, mais c'est ça, le respect. C'est là, il claque une petite mise à jour en maintenance, tu sais. Maintenant. Ah ouais, là, juste pendant le live. Salut. Bon, je vais redémarrer le jeu. C'est sympa. On doit mettre à jour pour la 1.9, tu sais. Est-ce que les modos pourraient juste regarder les petits commentaires et me les lire pendant que je démarre tout? Oui, si tu veux. Bah non. Alors, Miss Pandy voudrait te faire un petit don, mais elle vient de te faire un... Non, non, un modo à la fois, pas les deux. Un modo à la fois, Darky, si Kibo le lit très bien, laisse la faire. Comme je disais, Miss Pandy vient d'écrire, Jody Horse et moi voulions te faire un don, mais on a un problème PayPal. J'essaie de le régler. Mais le fait que vous soyez autant, là, on est 92 sur ce live, ça me fait sûr. Et il y a Vivium. Oui, 92, on n'a jamais été autant sur... La seule fois où on a été autant, c'est quand je me suis fait raid. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Je vous remercie beaucoup, si Vivi. Vous soyez autant. Salut ma Vivi. Je te fais un gros bisou, ma belle. Ça va le serveur Indara?
Ah ok, donc Indara va de refaire, vient de relancer le serveur. Qu'est-ce qu'il y a? Quel homme. Est-ce que quelqu'un a marché sur la trappe au moment où ça a coupé? C'est moi le premier qui est rentré, je suis rentré et ça a bugué, mais j'ai pas été sur la trappe. T'as pas été sur la trappe? Moi je venais de me reconnecter au cas où. Hein. Moi j'étais perdu. C'est encore moi qui ai tout fait bugger, c'est ça. Comme d'hab. Ah oui, toujours de la faute de Glenn. Tout est de la faute de Glenn. Merci pour votre message de bon anniversaire, les amis. Merci, c'est très gentil. Ah, c'est ton anniversaire. Bah ouais. Non, bah c'est pas, tiens. Ah. Oui, mais attends, avant d'aller sur la trappe, j'arrive. Moi, je suis perdu, je vais essayer de vous rejoindre. Bon, bah c'est bon, moi je suis là. Bienvenue à... Hi May. Désolé, j'ai mal dit ton... Darko, tu peux venir me chercher. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où je suis? Où est-ce que je suis? J'ai mis les coordonnées... Je dis, merci, tu es une corne de cheveux, là. Tu es une lapicorne. Mais oui, je sais bien, j'ai tout le temps des épis. Tout le temps, every day. Et les coordonnées de où je suis. Bon, je vous rejoins si c'est toujours la même place, hein, que je pense bien. Yes. Il y en a qui proposent qu'on fasse Miku Hatsune en stripteaseuse. Oh oui. Non, la pauvre. Ah oui, je dis oui. Ça sent un fan service. Moi je dis Oui, je tiens à préciser que TerraCube est un serveur privé. Voilà, on y est sur invitation et c'est moi qui invite. Oui, tu as rejoint le jeu, jeudi. Ouais. Par contre, faudrait peut-être faire un petit curé aussi dans Pandata ou quoi, histoire de laisser un peu nos péchés. Ça fait agresser. Voilà. Bon, donc je réexplique. Lorsque vous marchez sur la plaque, donc vous allez tous, donc ceux qui passent en mode aventure, et en même temps ça ouvre la porte. C'est bien ça, Indara? Ouais, non, il me précise que c'est bien ça. Donc bah je vais marcher sur la trappe. À toi l'honneur. Voilà. Ah bah voilà, c'est fait. Et donc on peut rentrer. Allez, on y va. Ok. Oh. Magnifique. Ouais. J'ai bien tout reset les mobs de la zone, comme ça on est sûr. Et donc je vous préviens. Oui, il y a des coffres qui sont planqués dans les coins. Donc à certains endroits. La plaque quand tu rentres. Je sais pas, Mathieu. Vous êtes automatiquement en aventure quand j'ai marché dessus, je pense. Ah non. D'accord. Nous, moi et Poussin, on n'arrive pas à rentrer. On se fait attaquer par des loups démoniaques. Ah bah bah vous les butez et vous nous rejoignez, on vous attendra parce que de toute façon les mobs du donjon ici remettent une heure à popper. On les a programmés pour pas qu'ils repopent tout de suite. Quelqu'un a pris mon stuff parce que j'ai swim mort. Elle fait un respect. Ah voilà, il a looté quelque chose. Voilà, donc aussi ce que je demanderais donc c'est de... Ah oui, ici, attendez, on va laisser le stuff ici de la personne qui est décédée. Darky. Eh bah dis donc Darky, t'avais bien fait des réserves le mec, des sushis, des donuts, des frites là. Il y en a qui profitent hein, ici. Oh là 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 là, oh mon dieu, c'est quoi ça? Et il a réussi à se connecter? Dis-lui que je l'ai mis du stuff pour lui dans la truc, dans... Oh le pauvre toutou. Oui mais c'est des méchants. Des méchants. Bienvenue à tous les sushis qui rejoignent, qui se... Pourquoi est-ce que j'ai deux trucs, je ne sais pas. Où sont les coffres? Ah, bah vous, oui. Clarisse vient de nous faire remarquer que tu n'as pas tes oreilles de lapin, sacrilège. C'est vrai, je vais même mettre celle de soirée pour l'occasion. Oh, les belles en dentelle. Un drôle d'endroit, toi, Kibou. Ouais. N'avancez pas trop vite. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé le coffre de la salle ici? Non. Oulalalala. Attendez, il est sous la... Pourtant, il y en a un. Pourtant, il y en a un dans la salle ici. Il est pas vide. Ah, bah c'est que quelqu'un a pris ce qu'il y avait dedans alors. Non, mais va-t'en, le loup. Ah, tu l'as... T'as pris tout ce qu'il y avait dedans, Gabi? Oui, je suis. Ok, mais on partagera tout après. Ah, salut, une brother. Le petit Fardin Dara, salut. Est-ce qu'il y a moins de... Oh, il y a de la lave. Soja, parce qu'il est paumé quelque part. Bah, il est où? Bon, j'ai pris un truc dans un coffre, qui veut. Ouais, Jody. Oui. Quelqu'un a pris mon épée et de ma bouffe. Mais si tu veux, j'ai une épée pour toi, donc... Moi, j'ai récupéré une hache et une pioche. Aïe. Oui, il y a une hache et une pioche, mais elles sont à moi. Gabi, tu prumes. Et une épée aussi. Ouais, je sais. T'es où, là? Lidara, ils sont une épée bête. Alta, c'est toi qui as récupéré une pioche, une hache et le Big War Punch. Il y en a déjà qui sont déjà avancés dans les donjons. Attendez-nous dans les pièces, les gars. Attendez-nous, moi.
Ouais, va déjà. On remonte là. On remonte. Ah ouais, je vois qu'il y en a qui ont déjà... Ah ouais, vous avez déjà buté du monde. On est fou. Ah, il y a Indara, lui, il avance aussi là. Il avance. Jeudi, j'ai un truc pour toi. Quoi? Bien, parce que je l'ai looté dans un coffre et c'est pour toi. Ah, mais. Ton anniversaire, t'as quand même droit à un bouclier. D'accord. Y'a rien, Alta. Tout ce que tu risques, c'est de te faire mal, ma belle. Je te le dis déjà. Mais si, y'a un coffre là-bas. J'avais mis un coffre, moi, là-bas? Oui, ah, mais si, mais je crois qu'il est vide. Oui, c'est celui que j'ai vidé. Celui que j'ai vidé, désolé. Darky demande si quelqu'un a son épée. J'ai pas d'épée. J'ai une épée en or pour toi, petit Darky. Viens. Oui. Mais non. J'avais une épée en jams, donc. Oui, mais descends et on va se contenter de ça pour le moment. Ça te va? Oui, parce qu'on va pas mettre là pour ça tout live, Darky, pour le truc, on réglera ça après. Oui. Darky, viens devant moi. Viens. Ouais. Ici. Bah, en tout cas, moi j'ai beaucoup de fer. Malheureusement, je suis en aventure, je peux pas les récupérer. Bah, en aventure, si t'as une pioche, tu peux le faire, hein. Bien, et prends ça aussi. Bon, bah alors. Si vous avez des pioches, les gars, vous pouvez prendre les ressources qui sont dans le donjon, y'a pas de problème. Ah, d'accord, ok. Ah, je savais pas. Ah, attends, je te la rends. Ok, bah j'avais pas. Ok, d'accord. On suit Jody. Oui. On protège Jody. Oh là là. Ta pomme. Oh là là, y'a du tonnerre. Attends, est à l'orage. Hop. Et est-ce qu'on peut piquer les têtes de creeper et tout ça? Peut-être pas, non, laisse quand même la déco, Glenn. Il y a des quêtes pour ça, Glenn. Oui, c'est juste. Oui, c'est vrai. On suit, Jody, lance la marche. Hops. Ouh là là, on entend. On va se frapper dessus, là, je sens. Mais ils sont où? Il y a deux plus petits, je sais même pas où ils sont, il devait y avoir deux plus petits ici, mais. Oh, c'est énorme, je t'ai tapé sur quelqu'un. Ah, j'ai pris le bord de quelqu'un! J'ai tué quelqu'un! Oh merde, pardon, Darky! Bon anniversaire! Attendez, je vais juste retirer le morph de Darky pour pas que. Ah, pas de bug. Pour pas qu'il y ait de bug d'ailleurs. Voilà. Hibou, derrière toi, il y a du sel. Donc vous pouvez miner si vous ce que vous voyez. Attention, Alta, va pas trop vite! N'allez pas trop vite! Parce que ce cas. Vous avez trouvé le coffre ici? Oui. Il y avait un coffre caché que tout le monde a passé. Je vous l'ai dit. Vrai. Oui, qui est bien planqué. Où ça en haut? On va remonter. Je pense pas qu'il y ait des gens qui l'aient trouvé. Ah, c'est terrible. On remonte tous. Attention. Ah, Inbrother, lui, il a l'air chaud là. Là, il veut le coffre caché, lui. Mais donc, je tiens à préciser que c'est pas parce que vous avez looté quelque chose que c'est forcément pour vous. Soyez partagés, quoi. On fait le truc à plusieurs. Bah après, on. Qu'on sera au plus au calme, on va se partager. Le coffre caché dans la zone par ici. Ah merde. Attendez. Par ici. On est un peu trop bas là, donc vous faites mieux attendre Jody. Remontez s'il vous plaît. Remontez tous. Attendez, moi j'arrive. Ah d'accord, je t'avais même pas vu remonter jusque là en fait. Enfin, l'étage un peu en dessous. Où est le coffre? Donc le coffre est quelque part par ici. Titi, c'est pas mal là ce que tu fais. Ah, on s'en bat. Mais enfin, pas plus rien. On a pas remontez en... Voilà. Tu remontes carrément, voilà, dans les... Ah. Est-ce que les taches de sang peuvent nous donner des indices? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un pourrait me rendre mon stuff si possible? Ah oui, c'est bon, trouvé. OK, il a trouvé. Aïe. Ah mais oui, Oh là là. Donc je tiens à préciser que les coffres qui sont là ne sont ici que pour entre guillemets l'inauguration. Hein. Je vais pas passer mon temps à remettre des trucs dedans. Donc je propose à ceux qui sont plus près de moi de les prendre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a tout le monde qui a vidé son stuff sur moi, qui a vidé sa bouffe sur moi. Il y a tout le monde qui a fait une réserve de bouffe. Darky, j'ai des trucs. J'ai un plastron en diams. C'était pas à toi? Oui, j'avais aussi plastron en diams, des gants gravitite, une épée. Ok, bah en fait j'ai récupéré des trucs à toi, mais ça, voilà, ça, je pense que c'est à toi, le reste c'était à moi. On attend. Les Delighted Meal aussi j'avais. De toute façon, tu peux en reprendre la Delighted Meal, hein. Et voilà. C'est pas grave, j'ai pris l'épée. Ah, mais c'est pas toi qui avais une épée en diamant, recule 2? Oui, c'est moi. Ah, bah je l'ai. Alors que le pauvre il pleure après son épée depuis tout à l'heure. Attendez, parce que la prochaine salle, les gars, c'est déjà le boss. Hein. Attends. Je dois juste vous dire. Ça fait en une demi-heure, on aura plié le donjon. Ça fait. Ouais. Merci. Oh, loulou. C'est bon, vous êtes prêts?
Ah non, non, attends, moi et Darky on descend parce que bon... Il est impatient, il veut vraiment se faire le boss. Bon, on va attendre un petit peu les gars, n'avancez pas trop vite s'il vous plaît, je vous vois, j'en vois déjà plein qui sont loin les gars, n'avancez pas trop vite s'il vous plaît. Faut attendre jeudi, jeudi dans ce salon. Alta, le petit Ferdinand. Oui, vous êtes déjà dans la salle du boss en fait. Ah bon? Oh mais quelle bande de sacs. Bon bah voilà. Aïe aïe. Mais non, on veut ouh le flapper. Hein. Oulala. Indara va taper si vous ne bougez pas, qui vient de dire. Si vous ne... Si. Voilà. Indara veut taper si. Oulala. Il fait de mauvais poils. Oula, on partage ce qu'on a trouvé dans les coffres quand? Après. On n'a pas encore pris une donjon. On peut s'équiper de ce qu'on a trouvé. C'est bon, Indara? Une fois qu'on a tué Draken. Est-ce que tout le monde est ici? Tout le monde? Non. Benji, quel n'est pas boulet là. Mais quel boulet. Ah, je dis. Bah, mais là, suis-nous aussi. Suis-nous aussi. Ah, bah TP là, bon, je sais pas. Mais il est pas connecté. Ah, si. Ah, sa mère. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Indara fait plus peur que le boss, au cas où. Oui. Il y a un souci qui demande jusqu'à quelle heure durera le live. Je ne sais absolument pas. Ça c'est le principe chez Jeudi, c'est qu'en fait... Même ça, généralement quand ils commencent, on ne sait pas quand ils finissent. Voilà, en fait, Jeudi, sa marque de fabrique, c'est que ses lives sont de durée indéterminée. Vous êtes tous prêts? Il fait quand même très très peur le boss. Oui. On va se frapper derrière. Bon bah, je lance la truc pour qu'il puisse un peu avancer. Allez, avance mec. Oh merde, il est pris dans les... On va les mecs. On y va. Non. Il y a des gens qui me frappent dessus. Ouais, bon. Tout est tapé. Oh mon dieu. Oh purée, Coproglotte, je te tape. Tu vas aller dans la lave, je pense. Bah oui, va dans la lave, c'est pour ça. Oh la lave. Oh mince. Il y a pas mal de dégâts. Ah merde. Kibo, fais gaffe, tu nages sur la lave là, je sais pas si tout. Bon bah voilà. Oui. Là bah y avait de la lave donc c'était mauvaise idée. J'ai récupéré des trucs. Ah non, je sais pas si j'aurais pu. Reculez. Indara demande que tout le monde recule. D'accord. Bon, y'en a un qui vient de mourir apparemment. Ah, sauf exprès, j'ai tué Soja. Soja, c'est quoi la touche pour supprimer le mort? Comme ça, je le supprime. Attends, calme-toi. Oui, donc man, dans le fond. Ah, c'est bon. Pourquoi il y a un PNJ qui vient d'app... Ah oui, d'accord. Ok. Donc, bah je pense qu'on peut tout sortir, Jules. Pour... Ah purée, j'étais sur du feu. Pourquoi tu le remets? Pas Camille, ce genre de feu. Quoi? Allez, Laissez-le avancer. Pour que tout le monde ait de la place pour taper. On le laisse aller dans la salle principale, c'est ça? Bah, oui. Pourquoi est-ce qu'il vient pas, ce couillon? Non, j'ai essayé de le taper dans l'autre sens. On est peut-être trop reculé. Je ne sais pas, c'est pas normal qu'il n'avance pas. Parce que quand on avait fait les tests, il était bien. Il était plus agressif que ça. Il mongolise. Attends, il y a... Attends, je vais le titiller un petit peu. Ah bah coucou. Je sais, c'est à cause du feu. C'est à cause du feu dans les heures. Attends, laissez-le peut-être une personne à la fois, peut-être, essayer de voir pour voir s'il va pas venir. En fait, on est beaucoup, il a les boules en fait. Aïe, il a peur, monsieur. Il a peur. Allez-vous. Il s'enfuit la queue entre les jambes. Maintenant, il avance. Il tourne en rond. C'est pas le sang qui l'emmerde. Ah, il regarde là. J'avais raison, c'était le feu de laser. C'était le feu alors. Ouais. Ah oui, c'est un bloc invisible. Laissez-le passer, les gars, s'il vous plaît. Laissez-le passser, que tout le monde puisse en profiter. Mais il essaie quand même de vous tuer, je dis. Bah oui, mais c'est le but. Oh, il m'en va, moi, il m'en va. Mais quoi? Comment ça? Maintenant, là, vous pouvez. Aïe. À court. Non, tapez pas moi. Aïe. Désolé, Titi, si je t'ai frappé. Aïe. On va l'avoir. Aïe. Oh. Ok, Yazop qui est parti. Quelqu'un m'a tapé, oh, purée. Ouah, purée, mon jeu est en train de bugger. Il a récupéré mon stuff. Sur le quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Indara? Oh, ça lag. Oh. Oulalalalalala. Oulalalala, j'ai un... Oh, pardon. Ouh. Oh mon dieu. Je crois qu'on a même fait de pas prendre les lobby robots, hein, vous comprenez maintenant. Oui. Je suis d'accord. Mes excuses. Bah de toute façon on comprend, on est quand même beaucoup, on est quand même 14 je pense là à lui mettre sur la tronche donc Bah ouais, mais au cas où... Quelqu'un peut me ressusciter?
te ressusciter, on sait pas ressusciter, il faut que tu reviennes. Oula là. Bah te ressusciter, c'est une mort normale, c'est pas comme si... On n'est pas en UHC, tu vois. Oui, on est, oui, c'est pas... Oui. Il va mourir. Ouais, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il a looté, là? Il a looté, donc pas mal de... Et tout le monde qui... Pourquoi est-ce que j'ai tout le contenu des coffres? Mais c'est ton anniversaire. Ouais, mais bon. Donc maintenant, pour sortir du donjon, comment est-ce que ça se passe? Attendez, qui sont là peut-être récupérer le stuff des autres, oui, là, qui... Mon stuff poussin à moi, quelqu'un l'a pris. À moi. Non, Glenn, c'est ta poussin. Mais oui, mais j'allais le prendre pour te le donner après, on va pas prendre quelqu'un d'autre. Et on vous rendra à qui, à qui. Et voilà mon jeu à crash. Pourquoi? Oui, non, pas maintenant. Oui, Dara, non. On a déjà battu deux fois le boss, c'est très bien. Je sais bien que c'est amusant de voir galérer tout le monde, de voir gens s'entretuer, mais on est évité. Donc, pour sortir du donjon, Indara, ce que tu m'as dit, donc, c'est qu'il fallait marcher sur la trappe là, c'est ça? Oui. Une personne suffit et tout le monde est téléporté hors? Non, chacun y va. Donc, chacun va, chacun marche sa petite trappe et hop. Ah ouais. Moi, je suppose qu'on attend quand même un peu, histoire de dire. Voilà, hop. Attendez, moi j'ai perdu. Safe. Non, pas par là, Poussin. Poussin qui redescend dans le donjon, d'accord, ça c'est fait. On l'a pas. Donc bah voilà. Elle est où la trappe? Donc, alors, dans le coffre, dans le dernier coffre, il y a quelqu'un qui a pris beaucoup de crânes, il me semble. Oui. Est-ce, donc je propose qu'on aille... Peut-être à la salle des fêtes ou... Oui, qu'on aille tous à la... On se retrouve tous à la salle des fêtes pour partager pouvoir... Partager le butin. Et pour récupérer son stuff aussi, je pense. Oui. Et pour rendre les stuffs des autres aussi. Aussi, voilà. Accessoirement, oui. Bah oui, mais accessoirement, je suis désolé d'avoir pris le stuff des autres et de pas le faire dépoper, quoi. Oui. Mais non, je peux comprendre que Glenn n'avait pas envie. Maintenant, ce qu'on peut faire, la prochaine fois, si vous faites le donjon à plusieurs et que vous désirez, bah si ça arrive, vous mettez dans un des coffres. Les coffres, limite, je les laisserai là en cas de mort. Par contre, c'est encore en mode aventure, on c'est peut normal. Poser des coffres, faut que tu marches sur la trappe... On peut rien poser. Bah, on peut poser des j'ai marché sur la trappe. Oui, effectivement, on est toujours en mode aventure par contre. Ça téléporte, mais ça. Parce que quelqu'un est repassé sur la plaque. Ok, donc c'est que quelqu'un est repassé sur la plaque en fait. Moi je suis pas passé du tout sur la plaque par contre, j'ai bloqué. Ouais, moi non plus. Non, mais sur la plaque en sortant. C'est peut-être moi parce que Poussin était bloqué derrière la porte en face. Tu sais remettre tout le monde en survie, Indara, c'est possible. Désolé, c'est parce que Poussin était bloqué par la porte en face. Poussin, non, faut aller dans les loges. Bah oui, bah j'ai pris le par contre moi moi je suis en survie, je vais rentrer dans le truc. Il est de skin avec Nico. Moi je suis en aventure. Moi par contre je suis encore dans le donjon, si on peut me TP pour que j'essaye de faire des bêtises. Donc Darky est en une plaque ou l'autre. Bah en fait en gros ce que tu fais, tu vas sur sur la trappe dans le fond du donjon pour ressortir, et juste tu ne marches pas sur la plaque en sortant la plaque qui sont à l'entrée, tu marches pas dessus, c'est tout. Ok, la plaque est au fond du donjon, c'est celle où il y avait le boss. Oui, voilà, c'est là tu peux marcher, mais quand tu ressors, tu vas être re-téléporté à l'entrée du donjon, il faut pas mais marcher. Je remarche pas dessus. Il faut pas marcher sur l'autre, parce que sinon en fait tu repasses en aventure. Ok, ça va, je ferai. Allez. Oh, mais c'était chouette. Donc, ouais. T'as bien fait ça, je trouve. On redistribue les stuff à tout le monde. Enfin, deux secondes, oui. je passe déjà mon temps à remettre. Non, ton épée, je l'ai mangé, Darky. En survie. Je suis sur la terrasse parce qu'il y a moins de mobs. Ouais, c'est bon, hein, tu dis, je suis en survie. Hein. Ouais. J'ai mangé tous vos stuff que j'ai pris. Tu m'en es en survie, Alta? Bah, il me semble. Je suis pas. T'es en survie, Alta? Non. Pas moi. Enfin, moi non plus, je ne le suis pas. Ah, vale. Bon. Knut, tu es en survie? Bonne question. Comment on vérifie ça? Je sais pas. Oui, on casser un bloc. Essaye de casser un bloc. Il y a écrit votre mode de jeu a été. Essaye de casser un bloc. Je t'ai mis en survie. Maintenant, oui. Tu y es. Ah oui, moi non plus, je pense. Je peux pas casser le bloc. Mais a priori, c'était bon. Hop, c'est bon. Merci. Comme ça, je veux casser la salle des fêtes. Froglot, il est en survie ou... Survie. Ah, tout le monde est en survie, d'accord. Je te remercie. Voilà.
Donc je vous propose qu'on se pose là ici autour de la table et que vous me fassiez un petit compte-rendu de, bah, de ce que vous avez pensé de ça, de est-ce, que la, est-ce qu'il faut changer la difficulté, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous en voulez d'autres, est-ce que vous avez des idées. On en veut plus. encore. Plus de sang. On a une la prochaine fois. Oui, donc, enfin... Donc pour vous la difficulté était bien, ça va? Ça allait? Ouais, ouais, c'était juste un petit peu simple parce qu'on était en masse, mais je pense que quand on fait ça quelques... Non, ouais, si on est que deux ou Indara, seul... tu l'avais fait tout seul, il te restait combien de vie avec, avec le truc? Ok, donc après avoir fait le boss, Indara a fait d'abord le test tout seul, il lui restait qu'un demi-cœur. Ah oui, et il était stuffé à quoi? Il était stuffé, bah, Gravity, c'est ça? Ouais. Ah ouais, ouais, Gravity, okay. Voilà. Non, enchanté. Donc, voilà. Maintenant, donc, si vous faites ça tout seul, vous pouvez prendre vos lovely robots et, bah voilà, là, du coup, bah, c'est un peu plus facile. Maintenant, il faut faire gaffe quand vous ressortez sur les plaques avec les lovely robots. Parce que, voilà, vous avez compris, c'est pas super évident. Oui. Donc, qu'on se repartage un petit peu les petites affaires. Alors, qui a perdu une jambière en diamant? Attendez, je propose que j'ai une proposition à faire. C'est que chacun qui a quelque chose aille sur la scène et qui dit ce qu'il a et savoir si ça intéresse des gens. D'abord. Je dis qui commence, tout simplement. Voilà, Glenn, vas-y, commence. T'es dessus, vas-y, commence. Alors, il y a quelqu'un qui a perdu une jambière en diamant. En diamant, protection 4. À qui c'était? À qui est-ce? Qui en cher? Qui donc? Personne, c'est pour moi, Jean d'accord. Chéri, une pomme d'or. Alors non, la poussin sword, je pense que ça pousse. Et on l'a récupéré. J'ai une épée en diamant, recul 2, je crois que c'est à Darky, non? C'est à moi, oui, c'est à moi. Tiens. Des stuffed pepper. Donc des poivrons farcis, quelqu'un en avait un loot de 64. Non mais ça je t'explique, Glenn, ça on s'en fout parce que c'est de la bouffe et ça vous gardez, okay. Si j'en vole, ils vont en rechercher. Moi j'ai un workbench pack. Titi descend, chacun son tour. Moi, chacun son tour. Eh mais j'ai pas fini moi. Ah ok. La jambière, je pense que c'était à toi, Poussin. Donc reprends là. Moi j'ai un backpack avec plein de bordel qui est pas à moi. À moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais, sinon c'est de la bouffe et de la caca. Je me rase. Il m'a pas pris un... Ah, mon workbench pack, quelqu'un l'a pris. Qui a pris mon workbench pack? J'ai un truc en côte de maille. Chacun son tour. Tout le monde s'assied, s'il vous plaît, ce sera plus simple. Allez, chacun son tour. D'abord Glenn. Non, j'avais pas fini en fait, c'est vrai. J'avais quelqu'un, enfin, mon ami, quelqu'un avait un plastron en fer. C'est à moi. Et où une côte de maille. Et aussi des bottes en fer. Ok. Et des bottes en fer. Ouais, c'est ça, c'est à moi aussi. Ah, c'est Alta alors. J'avais tout un stuff en fer en fait. Ah bah donc du coup à mon avis le plastron. Ok, donc pendant qu'on fait ça les amis, on va faire une pause parce que Indara me demande de faire une pause. Ah ok, donc il y a Indara qui demande que tu veux qu'il se taise en fait, c'est ça? Indara demande qu'il se taise en fait, que tout le monde se taise, je sais pas pourquoi j'ai peur d'un coup. Coucou, qui a dit coucou? Coucou. Ça va ma poule? Oh putain, Vivi! Quoi? Oh putain, Vivi, merci ma belle d'être là! Purée, mais je savais pas que t'avais TeamSpeak! Bon anniversaire! Merci! Et en plus, on s'est parlé ce matin sur Skype. Bon, les amis! Écoute, je viens de l'appeler. Ok, donc que vous sachiez ce qui est Vivi en fait. Attendez, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ma tête quand même pour que vous ayez quand même quelque chose à regarder. Non, les autres sont plus intéressants. donc Vivi est une amie qui on se connaît depuis. Enfin, vous l'avez déjà vue en fait dans le tag best friend. Voilà, c'est on se connaît depuis l'école secondaire, si je puis dire. Et ouais, ça fait au moins 11 ou 12 ans. Voilà, on se voit très peu parce qu'elle habite en Angleterre et moi en Belgique, donc voilà. Merci, bah Vivi, ça me fait super plaisir que tu sois là, ma belle. J'étais en train de regarder ta vidéo et tout le monde était en train de parler et ça avait l'air super fun et je me suis dit putain, faut que je sois dans le truc. Bah oui, voilà. T'as plus qu'à acheter Minecraft maintenant. Ouais, non. Ouais. C'est pas son trip, le gaming. C'est pas son trip, le gaming. Pas de cool.
Non mais comme tu vois, on était en train de se partager les... Le butin. Les... Le butin de notre donjon. Mais oui, je vois, vous avez tout... Vous avez fait ça comme des héros, en fait. Ouais, clairement. Limite que... Rejoins-nous en bas, on s'amuse bien en bas, Glenn. Il y a Glenn qui veut que tu fasses des choses avec les stripteaseuses, Vivi. Je sais pas pourquoi. Bah écoute, si j'avais un perso. Bah bon, limite, si vous voulez quand même commencer à parler, les autres, vous pouvez quand même. Il n'y a pas de problème. Donc, Glenn, que. Termine peut-être de redistribuer tout. Termine peut-être de redistribuer. Je finis. Ok. Moi je vais, alors je vais vite passer moi pour te montrer. Donc j'ai ce magnifique bouclier en diamant qui ne me sert strictement. Je l'ai trouvé, tu peux l'avoir. Tu l'as trouvé. Le truc, tu l'as trouvé n'est pas forcément quelque chose n'est pas un bon argument. Est-ce que quelqu'un désire l'épée en diamant donc quelqu'un d'autre? J'ai du charbon pour toi. Charbon! Oui, du charbon! Je veux du charbon, je veux le sniffer! Donc allez, donc bouclier comme en diamant. Hein. Bouclier en diamant, tiens, voilà. J'ai ce magnifique Mithril Shield qui est là, qui est ici. M'en veux pas, Glenn, mais les boucliers, enfin, ils sont. Oh oui, la merde! Mais comment revendre cadeau, ça, je veux ça. Bah non, allez, le démonique, voilà, le bouclier démon, donc qui se sert. Vous faites un clic droit et hop, vous êtes protégé des démons, des choses. J'ai voilà. De l'or, des montagnes d'or. Tu veux le bouclier démoniaque, Gabi? Je te propose de prendre éventuellement aussi. Moi qui l'ai pris. Oh non, oui, c'est moi qui l'ai pris. Oh, allez, rends-lui, Glenn, rends-lui. J'ai ce magnifique bouclier en émeraude. Oh. Tu veux, Knut? Oh. Ah oui, pourquoi pas. C'est beau, l'émeraude. Bon, ok, tout fait. C'est bon. Mais ça se met nulle part, ce truc. Bah, il faut que tu fasses un clic droit en main, il faut l'avoir en main. Et j'ai 10 lingots d'or de je sais pas quoi faire. Et la tête de Weezer, je vais la garder pour Zop parce qu'il il en voulait absolument. Voilà. J'ai 22 pizzas. Quelqu'un veut des pizzas? Pizza. On jette la pizza. De la pizza. On jette des pizzas. Il n'y a plus de pizza. Et vous voulez de l'or? Oui. De l'or! L'or! Vous voulez mes strings? Tout le monde sait. Oh non! Allez, on mange tous un gâteau comme des gros porcs sur la scène. Tous autour du gâteau. Attends, Titi, tu vas sur scène! Tu chantes, tu vas sur scène! Allez, on s'assied tous et on se moque de Titi maintenant! Allez, dégage, Glenn! Allez, Coproglotte, assieds-toi! Attends, j'ai cassé le gâteau. Il m'a frappé. Attendez, il faut prendre des tomates. Oh non, mais c'est horrible, Glenn. Ça c'est horrible, c'est immonde. Je dirais même plus, c'est ignoble et c'est... intolérable. Bah, mais... Il faudrait le jeter dans la prison. Donc c'est légal son terracube, c'est bon. on le fait à deux ou comment ça se passe? Bon, elle est pas très très. Non, mais voilà, tu l'intimides en fait, hein. Tu as un bel organe, il faut dire, donc du coup. Tu vas pas commencer à chanter, du calme. Hein. Allez, vas-y, chante. Tout l'or de Cortès et l'argent de Pissarro ne seront que fadaises. Danse. Pouléro, elles seront grimines. Comparé à l'or, l'or qui dort dans ses mines d'or. Des terres ont la trésor. Putain, il me faut des tomates. Il faut des tomates. Faisons la roche à coup de pique. De pioche. En mille et une crépite. Mon cœur. Attention, mais non, mais là, c'est ça. C'est celui qui fait la manche sur le serveur. Quelqu'un qui a foutu des tomates. Oh, voilà. Imagine le drame. Ces gentils hommes verront mon pouvoir qui recule et qui rayonne. J'ai un gros blanc. Ouais, voilà. Mais voilà, tais-toi.
sur le test, je viens de les voir, merci beaucoup. Applaudis tous, bravo, Titi. Bravo. C'était merci fabuleux. Merci beaucoup. Bah, Knut, toi qui es très doué, qui chante souvent avec, avec ta... Qui a tué le chien? Qui a tué ce Kleps? Le Kleps. C'était moi. J'adore, on était parti sur un truc dans le char orange et tout, et puis là, on se met à faire du karaoké sur scène. Y'a rien, y'a rien ici. Ça me va. Mais non, non, je sais pas si, s'il y en a qui veulent chanter, chantez. Moi, vous êtes sur scène, on vous regarde. Hein, et on vous Attendez, par contre. Attendez, par contre, je vais reprendre de la bouffe, par contre. Pour pouvoir vous la balancer à la tronche. j'en profite pour. Oui. On laisse parler Yux. Yux, c'est un truc à dire. Ouais. C'est peut-être l'heure des cadeaux. Oui. Bien, un os. Un cadeau. Toujours l'heure des cadeaux. Bon. Attends, attention, il y a Yux qui va nous frapper avec son os, ça. Après avoir fait chier Jody pendant je sais pas combien de temps avec « Ouais, je t'offre un cadeau et tout !» Et elle me dit rien, oh putain le... Non mais je stresse en fait, je stresse mais... C'est l'heure de lui donner son cadeau. C'est alors pour ceux qui étaient tout à l'heure sur Skype avec moi, vous savez ce que vous avez à faire, je vous en prie. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il faut que vous vous mutiez tous. Tous sans exception, à part jeudi et moi. Allez, go, on se mute, allez, go. Je sais absolument pas ce qui se passe, les sushis, je vous le dis déjà, je ne sais absolument pas ce que Yux m'a préparé, donc. Vivi, c'est tu te muter, en fait. Tu dois cliquer sur le petit micro en haut à gauche. Oui, en haut à gauche. Petit micro. Oh. T'as un micro avec une croix dessus. Voilà. Ta-da. Et il y a Knut, il reste Knut. Knut, mute-toi! Voilà, alors. Donc jeudi, je t'ai dit que ça perturberait ton live. Oui. Donc voilà. Ça n'a alors, pas, ça va pas perturber que le live, je pense. Il va falloir faire deux choses pour toi, jeudi. Oui. Donc, déjà, acheter un linge, déjà. Alors, je sais que tu filmes avec XSplit. Oui. J'espère que tu n'as rien de cochon d'ouvert sur, non. sur ton navigateur. Tu vas devoir changer ton layout de live et mettre ton navigateur comme étant le live. Voilà. Ok. Et... Ok, je prends carrément quelque chose de vierge. Voilà. Et Segundo, oui. Il va falloir que tu passes ton son dans tes haut-parleurs pour que les sushis entendent. C'est pour ça que je vous ai tous demandé de vous muter, c'est pour éviter que ce soit la cacophonie pour non seulement pour Jody mais surtout pour moi qui va là déjà je vais m'entendre en écho probablement. Aussi, je stresse. Voilà. Donc j'attends ta confirmation. Moi, je déjà. Donc les sushis, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je suis désolée. Ok, je vais mettre ma tête dans le layout. Ouais. Qu'est-ce que c'est d'avoir ta réaction. Et tu vas pouvoir avoir une réaction en direct. Je sais pas ce que c'est, les amis. Je flippe déjà. J'ai leur maquillage qui a coulé à cause du fait que Titi a chanté. Ouais. Hop. Il y a le son. Deux secondes. Purée, mon navigateur qui déconne. Vous allez vous voir en double. Je vais mettre une page vierge, à la limite. Ajouter. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolée, les sushis. C'est vraiment un truc. Je sais pas du tout ce que. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est une surprise, les amis. Je ne dirige absolument rien là sur ce live. Là, maintenant, là, c'est Yux. Ça va. Attends deux secondes. Je vais me connecter aussi sur ton. Là. Il faut. Personne ne voit ton navigateur donc pour l'instant. Si, il voit. Ah oui. Je vais mettre le. Vous allez vous voyez en double, les sushis, désolé. Bon. Je vous dis, je suis comme ça, j'ai peur.
Ah, c'est le moment de vérité, j'en tremble. Ça fait un mois que je prépare le machin. On kiffe. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors. Ma chérie. Oui. Linda qui va m'apporter du Monster, je sais pas pourquoi. Tu sais que ça me. Joyeux anniversaire! Qu'est-ce que t'as fait? Bien travaillé à la. Par contre, t'as la mise en abîme. Bah oui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jour spécial. Je vous fais une revue sur un jour. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 16 octobre dans l'histoire? Eh bien, c'est un jour plein de sens. Il y a différentes choses qui se sont passées dans l'histoire. Donc, en l'occurrence, par exemple, le 16 octobre, Marie-Antoinette s'est fait décapiter. Alors, comme je me suis dit que c'était pas terrible comme petite anecdote, je vais vous parler du second petit événement qui s'est passé un 16 octobre. Je vais vous parler de la naissance d'Oscar Wilde. Donc, c'est un fameux écrivain qui a écrit notamment le portrait de Dorian Gray. Il est connu avant tout pour ça. C'est pas aussi l'anniversaire de Jodie le 16? Le 16 octobre, c'est... Bien sûr que non, que j'avais pas oublié. Non, je me suis pas changée en deux secondes. Oui, j'ai fait les vidéos le même jour. Ok, la pique qui prévoit bien. Donc, voilà. Ma choupinette, il y a un mois quasi, je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là, il y a quasi un mois, je me suis réveillée avec l'idée folle de me dire allez, on va faire une vidéo avec plein de gens qui vont dire joyeux anniversaire jeudi. Et ben, je suis tombée sur personne. Ah merde. Non, en fait, il y en a quelques-uns qui ont bien voulu. J'ai dû les soulever un petit peu, tu vois. Il y a une ambulance, les gars. On vient bientôt me chercher, je le sens. Oui, j'en sais que je le fais. Donc voilà. Donc, merci. J'ai plus de ceux pour mon mois, mais merci. Donc voilà. Parmi les gens qui ont chanté les choses, qui ont voulu te dire un joyeux anniversaire, eh bien, il paraît qu'il y a des sushis. Des sushis? Voilà. Après, ce que je comprends encore moins, c'est qu'il y a des gens qui, eux aussi, se font appeler des sushis. Qui te souhaite un joyeux anniversaire. Et là, je comprends encore rien, mais voilà. Je te passerai tout. Bien, salut Johnny, comment ça va? Joyeux anniversaire à toi. Youx avait ce projet de faire une compilation de sushi qui te souhaite un bon anniversaire. C'est à mon tour maintenant. Et je voudrais te remercier. J'ai réalisé un timelapse de ton skin Minecraft. Qui sera à mon avis en description de cette vidéo. Donc je vous souhaite un excellent anniversaire, j'espère qu'il passera bien pour toi avec tes sushis, avec tes amoureux, avec Yo. Mes amoureux, j'en ai trois. J'en ai plein. Bah voilà, je vais m'engager. Et voilà, je vous souhaite un excellent anniversaire. À la prochaine sur nos prochaines vidéos, sur les projets de règles, les prochains lives, quoi, sur l'OBS. Et voilà, donc je vous dis ciao, allez. GG. Oh putain les gars, vous êtes des malades. Et elle dure 20 minutes la vidéo. Oh my god. Oh purée, c'est trop gentil. Oh, ça c'est Kibo, je reconnais le dessin de Kibo. Après, il y a des gens qui parlent plus ou moins, qui ont quand même...
Passe une bonne journée, parce qu'aujourd'hui c'est ta journée, donc voilà. Merci. Après ce déballage de, bah, de soucis et d'autres... Il y a un abonné, moi j'aime bien l'abonné. Qui mange des sushis? Les pandas. Les pandas. Non. Les pandas qui mangent des sushis. Non. 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 Salut. Vas-y. Je suis sur le bon anniversaire, je l'ai dit. Voilà, qui dire de toi, ça fait déjà un an et demi qu'on se connaît. Tu pètes toujours en ton énergie, tu donnes la joie sur ta chaîne YouTube. J'espère que tu vas continuer ainsi. On suit mon chemin et franchement, ne change pas. Les deux prochains. Donc, tu vois qu'il y a des youtubeurs de très haut niveau qui te souhaitent un bon anniversaire. Rien pour toi parce que je suis toujours. T'as les gars, j'ai l'air quoi que mes oreilles de lapin en train de chialer. Toujours dans le plus haut. j'ai pu soudoyer des gens pour savoir ça et j'espère que ça va te plaire. Hey, coucou, c'est juste pour te souhaiter un super joyeux anniversaire. Allez, bisous. Bonjour Jeudi, c'est Gus. Minibus se joint à moi pour te faire un gros bisou pour ton anniversaire. Donc on te fait plein de gros bisous. Et on te souhaite un très très joyeux anniversaire. A bientôt Jeudi, ciao. Je crois que c'est je m'en doutais, j'en étais sûre que c'était Alta. Je dis, plus personne ne voit dans l'œil. Mets un peu, s'il te plaît. Désolé les gars, je reprends parce qu'apparemment ça a bugué. Alta. Ah, ton chat m'aime pas, Alta. Si. Si. C'était vachement tendancieux quand même. Bon.
Non. Vous êtes des... Oh non. Je sais qu'elle est timide, Lilo. Voilà. Je l'avais quand même. Oh mince! Tu as le petit mot de Lilo. Oh! Coucou! C'est juste pour te souhaiter un très joyeux anniversaire. Et puis je te fais plein de gros bisous. Et puis je te le souhaiterai en vrai. Oh! Énorme! Super! Ah bah merci pour le j'ai pris un an avec la. Mais vous êtes lâchés, hein, les mecs, sérieusement. Vous êtes des grands malades, hein, je vous le dis. Je vais voir, est-ce que...
Non, ça a repris. Je vais relancer. Ouais, c'est bon. Bah, t'es quoi, t'avais coupé ? Non, ça va pas. Attends, je vais peut-être faire ça, peut-être que ça aidera. Mais tu peux relancer le live. Non. Non, tu refais juste play. Mais oui, mais t'es sûr que tout le monde voit ? Ok, nickel, tout le monde voit. Excusez-moi les sushis. Enfin voilà, c'est vraiment une surprise que Yux là me fait et je suis très. Je suis assez. Waouh quoi, c'est. C'est énorme. Bon anniversaire. Titi ! Je fais la petite vidéo pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Profite bien de cette journée. Faites bien tes 28 ans. 26, on avait dit. Pour te souhaiter tout ça de vive voix, pour les raisons qui sait, mais le cœur y est, le cœur y est, je serai là, j'ai une petite pensée, je penserai à toi. Oui. Allez, bisous. Non. Mais c'est qui? Mais c'est qui? C'est pas moi, ça c'est clair. C'est pas mon chéri. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, ma tigre. Je l'ai sous coup de la langue. Ah mais oui. Oh purée, mais quelle folle, elle avait fait une tulipe. Mettre la petite Johnny en tulipe pour vous. Elle a une chaîne aussi, les sushis, abonnez-vous, elle le mérite. On va mettre les yeux bien en face. Elle est caractérielle comme moi, c'est fait. Hein. Coucou, je te dis, je te souhaite un joyeux anniversaire. Oh, ma biche. Je suis contente et encore très heureuse de faire partie de tes amis, même si c'est vrai qu'on ne se parle pas beaucoup en ce moment. Par manque de vie privée, tous les deux, évidemment, par manque de temps. Je te fais de gros gros bisous. Oh, ma chérie. À une prochaine et joyeux anniversaire encore. Bon, tu connais tout ça, hein, quand il faut faire quelque chose, il va pas à moitié, donc au lieu de m'envoyer une vidéo, non! Mais elle... Oh, mais Poussin, mais non! Non! Oh, mais non! Non! Poussin, t'as pas fait ça! C'est la fête du slip, l'autre, mais non! Hop! Son chien! Bon Léon! Bon anniversaire, Jody, moi c'est Clarita, une de tes plus grandes fans. J'espère que mon aspect exotique ne te dérange pas. Je suis une femme très très sexy. Ma mère, le caniche, suit toutes tes vidéos. Donne-moi des croquettes. Au secours, Poussin m'a forcé à faire cette vidéo. Elle, enlève-moi ce costume ridicule. Coucou Jody, je suis Léon, le chien de Poussin. Nous te souhaitons un très joyeux anniversaire. Oh non! J'espère que pour cette année, tu auras tout plein de nouveaux. Qu'est-ce que t'as donné à ton chien pour qu'il reste si calme? Tu sais que j'aime bien en manger. Je te souhaite également plein de gâteaux, du chocolat, des Paris-Brest, de bonbons, de glace, de milkshake pour ce jour spécial. C'est sur The Last Skyward, ça, les gars? Tu m'étonnes! Non! L'autre, hashtag pipi culotte, ça y est, ça fait ça recommence! Oh non! Donc avant de mourir. Non, mais ça s'est fait là, les gars, là. Chouchou! Oh non! C'est vrai que ces deux derniers jours, j'étais en train de te scier, en train de te dire alors, mais trop! Tu disais ce que c'est, t'étais en panique et tout, c'était très marrant. Donc je pense que c'est le moment où tu peux comprendre pourquoi déjà tout le monde le savait, c'est parce que tout le monde a participé. Même moi je le savais, c'est pour ça que je te parlais pas d'ailleurs. On est sûr de pas balancer. Parce que tu me parles souvent, toi! Je sais pourquoi. Des gros bisous, Steph! Je savais que Guise et X.
répondez par un message automatique parce que mine de rien j'ai déjà relancé et que je suis tombée sur des messages automatiques. Oui, ça a apporté ses fruits. Merci Alta, je la remercierai un peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà. Donc ma belle, profite encore bien de ton cadeau d'anniversaire, profite bien du live que tu es en train de faire et voilà. Puis je vais laisser le mot de la fin à Chuck. Joyeux anniversaire et tout le bonheur. Mais ça ne marche pas dans ces cas-là, non? Si, ça marche tout est le bonheur. Le pauvre, qu'est-ce que vous lui faites faire? Les tortues, les. Hein? Bon bisous, ma belle. Oh, ce mec! Oh, ma vie! Je te souhaite un très très bon anniversaire. Je t'aime très fort. Voilà, tu me manques et je me réjouis tellement de te voir. Oh, à Noël. Bon anniversaire! Bon, c'est bon, personne n'a maintenant. Donc voilà, merci, j'ai fait une petite vidéo avec Chuck pour te dire. Moi je le redis, mais je n'aurais pas démarré ce grand projet pour n'importe qui. Je suis vraiment heureuse que tu sois dans ma vie et de t'avoir connu. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Oh mais là c'est mort, hein, là la pose make-up, là ça va s'appliquer là les gars, ça je vous le dis déjà. Coucou mon cœur, joyeux anniversaire à toi, je t'aime encore. Oh maman. À ce projet. Donc merci parce que grâce à vous, on a pu offrir à cette magnifique et charmante demoiselle un super cadeau. Enfin, moi je trouve que c'est un super cadeau. J'aimerais bien me l'offrir à moi-même, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est surtout pas mon anniversaire à moi. Voilà, donc merci vraiment beaucoup. Si je peux exprimer des remerciements un tout petit peu plus. Tout ce que tu veux, ma belle. Merci, personnage, je tiens à remercier Alta et Lio qui ont entre guillemets fait des pieds et des mains pour bouger. Lio qui a essayé de bouger. Ça ne me surprend pas. Gus et Héroïne Louis, donc merci beaucoup de m'avoir aidé à faire ce projet. Et je voulais dire aussi à toutes les personnes, tous les sushis que je n'ai pas pu contacter et qui voulaient faire partie de ce grand projet. Je ne sais pas si je retenterai le coup, mais rien n'est trop tard, il n'est pas trop tard. N'hésitez pas à mettre en commentaire plein de petits messages pour Jenny parce que voilà, c'est son anniversaire et qu'elle le mérite. Donc voilà. Les gars, parce que là je juste parce que ça me sert un petit peu la tête. Bon, petit bêtisier, les gars. Merci à tous ceux qui s'abonnent. J'entends les petits glink. Désolé, je veux pas vos pseudos parce que c'est un truc qui est en train d'improviser là, mais je vous remercie. Des gens à qui tu parles plus ou moins, qui ont quand même
évidemment que qui dit youtubeuse, qui dit youtubeur, dit à... Ah, t'as eu du mal à le pondre, hein, Faye. Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Je vais remettre le truc normal. J'ai perdu la connexion du... Je suis désolée les gars, je suis... C'est... Je suis très émue là. Enfin, donc ce que je vous propose de faire, c'est une petite pause parce qu'il me faudrait, il va me falloir du temps pour me mettre de mes émotions. Et aussi re-checker tout ça. Voilà. Je reviens dans 5 minutes parce que je suis vraiment... Voilà, c'est beaucoup pour moi là, donc voilà. On se retrouve d'ici 5 petites minutes. Faut que j'aille bien. Re les amis, donc voilà, il m'a fallu le temps pour me remettre de ces émotions. C'était énorme, je suis toujours avec toute la petite bande, comme vous pouvez normalement entendre et voir très bientôt. Je suis désolée, mais il a fallu vraiment que je fasse une pause parce que c'était... Re les amis, donc voilà... Et j'ai oublié de couper le son du live J'ai oublié de couper le son du live, c'est pas grave, désolée, vous avez eu un gros écho. Merci beaucoup, franchement, merci pour les petits mots. Merci à Gus, merci à Roi Louis, Zazou, merci beaucoup. Yayo, merci de pour ton petit mot aussi. Voilà, merci à tous. Je sais pas quoi dire, merci. Enfin, voilà, c'est énorme. Merci à Knut et Keta pour votre petit montage. Glenn, de t'y être bien essayé. À mon amoureux qui dit jamais grand chose, que vous entendez jamais, ben voilà, merci. Oui, merci. En cas on pourra dire pour le montage. Et merci à Yux d'avoir organisé tout ça, parce que franchement, c'est un putain de cadeau. Oui. On peut dire vraiment merci avec Yux, parce que bon, franchement, je veux que si possible, s'il vous plaît, qu'un modérateur mette dans le live la chaîne de Yux, parce que voilà, cette fille, elle le mérite. Je vois des plis de cœur, c'est trop mignon. C'est vraiment, vous êtes adorables. Mais on peut mettre les chaînes de tout le monde. Oui, mettez si c'est possible de mettre les chaînes de tout le monde. Oui. Parce que franchement, on va essayer petit à petit. Prenez votre temps. Donc voilà, c'est vraiment adorable. Franchement, vous êtes fantastique. Oh, ouais. C'est voilà. Qu'est-ce que Imhotep le grand fait dans le fait ici. Il est venu te souhaiter un joyeux anniversaire. D'accord, ok. Tu dis. Oui, Alta, dis-moi. Il y a Yayo et Lilo dans la salle d'attente. Bon, rajoute les. Il faut les rajouter. Ah non, parce que je vois qu'ils ont pas de trucs. Et ils sont. Ça va pas être pratique qu'ils sont pas sur. Je switch. Bon, c'est pas grave. Hein. Lilo, coucou, oui. Yayo. Ah. Vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Est-ce que vous m'avez vu chialer? Est-ce que vous m'avez vu chialer? Mais vous êtes des grands malades, les gars. Je tremblais moi aussi. C'est incroyable. J'espère mais que notre petit clip improvisé t'a plu. Mais trop, mais trop. Comme le courage qu'a dû avoir Lilo pour se mettre devant la caméra. Mais ce swag que vous... Et le petit ralenti, là. Mais tu m'as vendu du rêve, hein, Yayo, sérieusement. Et là, là, t'as fait rêver toutes les meufs du truc, hein. Là, je te le dis, là. Merci beaucoup. Enfin, voilà, c'est énorme. C'est juste énorme. C'est juste énorme, voilà. Bon, je suis content que ça te plaise. Et merci, Yayo, d'ailleurs, hein, au passage. Oui, surtout, Yayo, franchement, je voudrais dire merci à Yux aussi parce que bon moi j'ai eu un grand problème avec la vidéo donc je n'ai pas eu de son. J'ai eu un problème de son, elle s'est débrouillée pour foutre des sous-titres et tout. Et voilà, c'est merci à elle. Donc, voilà. Merci. Enfin, voilà, j'ai encore le cœur qui bat. Il y a des gens qui veulent que je mette mes oreilles, d'accord, ok, je vais les remettre, voilà, je les remets, y'a pas de mal, je les remets, voilà. Les gars, j'ai encore le cœur qui bat à 100 à l'heure. Là, je vais pas m'en remettre. C'est trop mignon. Respire. D'ailleurs, c'était l'occasion de voir Yux en vrai pour la première fois. Ouais.
Au passage. M'a fait peur. Bah, et t'as fait mal. Parce que vous habitez pas loin l'un de l'autre en plus, donc c'est vrai que ça, non, ça, voilà. Ça a dû aider aussi. Oh, sainte mère, je vais pas m'en remettre. J'espère que j'ai pas traumatisé Yux. Bah écoute, vu ce qu'elle a écrit, j'ai cru, je crois bien. C'était génial, les petits papiers en bas là. Mais Yayo, tu... Ah oui, mais c'est à une époque, t'étais sur TerraCube toi, Yayo. Oui, bah, toujours. Ouais, jusqu'à ce que tu le tues, dans une gargale. Si tu veux venir, tu peux, hein. Tu veux venir? Je vais pas pouvoir parce que j'ai. Quelqu'un a fait un don! Attendez, c'est quoi? C'est quoi? Qui a fait un don? Fred là! Fred! Mais pourquoi t'as redonné 20 balles? Fred! Mais merci! Merci! Merci beaucoup! Mais tu c'est un beau cadeau, 40 euros quand même! C'est super gentil, merci! Oula, waouh! Oui, il avait déjà donné 20 euros tout à l'heure et là il a. Merci beaucoup! Merci! Merci beaucoup, merci, ça me. C'est très gentil, très très gentil! C'est vous êtes des grands. C'est la journée des grands malades aujourd'hui là. C'est vous êtes des fous. Bon. Bah, c'est ta journée donc qu'est-ce que tu veux. Ah bah oui donc fatalement oui. Donc ouais, donc il y avait voilà. Kibo et Glenn voulait faire un truc c'est ça. Moi je vais me mettre ici hein, voilà je vais me poser là. Oui on va le faire mais ça arrive tranquille. Hein, on fait ça tranquillement. Y a voilà, pas de presse on se presse pas. D'accord, ok. Bah, faut quand même qu'on se. Voilà, il faut si on qu'on se pouponne et tout ça. Tout à fait, Glenn. Mais est-ce qu'il y en a qui ont des projets à montrer, des choses à dire, des. Voilà, parce que c'est vrai que là on a fait le donjon, je pensais que ça durerait plus longtemps que ça, mais on a été vachement vite pour le faire, donc voilà. Est-ce que tout le monde a eu son petit téléphone portable? Non, moi mon laptop. Ah non. Je l'ai pas eu non plus. Alors du téléphone portable. Donc le téléphone portable vous l'avez en terminant la quête de Blackwell en fait, c'est ça qui vous donne. Oui, donc il vous la quête sauf qu'on m'a piqué mon stuff donc j'ai plus mon téléphone. C'est pour ça que je propose qu'on termine la. Oui, c'est vrai, juste on devait terminer ça. Moi j'avais oui, j'ai deux épées en or si quelqu'un veut une épée en or. L'épée en or, je crois qu'elle peut terminer une quête ou je ne sais plus quoi. Voilà. On a une clochette de petite vache ici dans le live avec nous, ça t'a C'est le tour de qui de passer devant? Moi j'ai des trucs intéressants. Voilà. Bah vas-y, toi qui vous alors. Moi je me suis en train d'occuper de mettre tous les liens de tous les participants. Merci beaucoup Glenn, je vois, merci beaucoup. Je suis accompagné de mes lovely robots ici. Je suis désolé, donc... j'ai eu des problèmes avec mon micro. Pas de soucis, pas de soucis Titi. Donc je suis accompagné de Miko. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouclier. J'aimerais bien n'oublier personne. J'ai un bouclier de glace. Maintenant, voilà. si t'as qu'un truc et qui te plaît, tu peux le garder pour non, toi aussi. Non, j'ai d'autres trucs. Mais voilà, donc j'ai un bouclier de glace. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui fait énormément de PVP, donc ça me servait pas vraiment. Mais si quelqu'un aime bien faire des Battle Tower ou des donjons, bah voilà. Donc quelqu'un le veut? J'aurais pu faire le son du grillon, je l'aurais fait là. Moi je veux bien le prendre pour Kata, comme ça on aura chacun nos nôtres. Oui. Mais bon, après si quelqu'un d'autre le veut. Tiens. Hop. Voilà. Voilà. Alors, comme ça Kata aussi aura un beau bouquet. Autre petit truc, j'ai chopé des donuts. Je sais pas qui a lancé ces donuts sur moi durant le donjon. Ce sont mes donuts. Ah, tiens, récupère tes donuts. pour ceux qui aiment avoir des animaux, j'ai deux œufs de loup. Oh. Oui, il y avait des œufs de loup à looter sur le mob de faim, en fait. Vu qu'il y a donc, très peu de loups sur le serveur, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée pour que vous puissiez avoir d'animaux de compagnie, ceux qui veulent. Merci pour les donuts. Moi, j'aimerais bien en avoir un. Ah ouais. Voilà. Je vais garder Et autre chose très importante, pour la quête de la petite rose, j'ai les crânes de loup. Voilà, oui, donc, à part personne. Ah. Non, moi j'y pense que j'ai pas pris la quête. Et... Alors, tiens, le petit frère de Inara, donc Greg, hop. Donc vous allez parler à. Dès que vous avez le crâne, vous allez parler à. Titi, le voilà. Alta, le voilà. Bah alors tu vas en donner. Yep. Donc la quête n'est pas répétable, je tiens à le préciser. Si vous l'avez fait une fois, bah voilà. Quand tu seras de retour. Oui, elle vous donne full. J'en veux bien aussi. T'en as pas reçu? Non, j'en ai pas. T'es où, ma belle? Derrière toi.
derrière toi. Ah oui, tu es voilà. Elle a voilà. donné quoi Cœur. Et donc voilà, si personne n'en a... Bah, ok, ça a bugué, je l'ai pas reçu. Attends, passe, j'en ai eu un. Ouh, c'est génial. Une petite amulette. Merci, Rosu, toi tu es mignonne. Donc, la... on a perdu la modo. Donc, qu'est-ce que la petite... Donc, tout le monde a rendu la quête? Oui. Tout le monde a rendu la quête, donc elle vous a donné quand même pas mal d'XP. Et vous avez obtenu aussi, donc ça, la quête, pour tout vous dire, je l'ai faite tout à l'heure. Donc elle vous a donné ce qu'on appelle une pète amulette. Ça sert à stocker les fairy horse, les chevaux. Non. Donc c'est pas que ça, c'est pas ceux-là. C'est juste les... Non, parce que tu as une fairy horse amulette, et tout ce qui est pète amulette, c'est le reste. Ouais. Ah ok, bah voilà, donc ça sert à stocker les animaux de compagnie dedans, un peu comme une Pokéball, pour pas que vous les perdiez. Moi j'ai looté des trucs, donc... Ah, Titi a looté des choses, Titi veut... Voilà, donc j'ai ce superbe bouclier rond en émeraude, si ça intéresse quelqu'un. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi, Yux, dis-moi. Peut-être Greg. Il y a le SWAT, je sais pas pourquoi, j'ai pourtant accepté la quête, mais bah ça a pas... T'avais le crâne et tout. Bon bah je le donne à Greg. Bah non, j'avais pas de crâne. Ouais, moi non plus, j'ai rien eu. Tiens, voilà le crâne. Voilà le crâne. Ah, vous êtes bien dit, là. Ensuite, j'ai des livres enchantés. Quel enchant, s'il te plaît? Alors, j'en ai un avec protection contre le feu 4, protection 4 et butin 3. Je serais intéressé par le P4 et le butin 3, si personne n'en veut. Par lequel? Le butin 3. Le P4, ça peut faire sans, mais le butin 3 m'intéresse. Ok, tiens. Merci. Après, pour les autres désintéressés. Le P4, moi j'aimerais bien l'avoir. Lequel? Le il y a quoi? Bien. Ah, voilà, merci. Ensuite, Poussin, tu veux ou pas? De quoi? Un livre d'enchantement. Non, non, ça va, tu peux le garder. Il en reste un dernier, qui le veut? Non, le dernier. Personne? Non, silence, bon, bah, je le garde. Et voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. Ah. Jeudi, regarde qu'elle a mis Alta. Apparemment. Quoi a répondu sur Twitter? Voyons voir Twitter. Lance son Twitter. Oui. Oh, merci, Roi. Oh. Oh oui, merci, Roi. Pardon. Okay. Donc, Hatt, merci beaucoup et encore joyeux anniversaire. Merci, 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 merci. On t'aime tous. Oh, mais je vois ça, c'est. Enfin, voilà, c'est. De toute façon, là, Voilà, demain matin, vous allez me retrouver. Pourquoi tu me jettes de la glace, Poussin? D'accord, c'est si ton anniversaire. D'accord. J'avais une hache sans anite, c'était à quelqu'un? À moi. Okay. Moi. Ah. À moi. À moi. C'est à moi. Non, c'est quelqu'un qui... Non, parce qu'il n'y avait pas de hache sans anite dans l'île, donc c'est quelqu'un qui l'a perdu durant le donjon. Oui, c'est moi. J'ai perdu. Darky, en fait, il a explosé et en fait, on a pris un peu de ton stuff. Oui, voilà. J'ai une hache et une pioche sans anite. J'ai pas de pioche sans anite. Ah. Donc, est-ce que tout le monde a pu avoir la petite quête de Rose, a eu la pète amulette? Oui. Oui. Tout le monde a eu le petit téléphone? Ouais. Non, je l'ai plus, on me l'a piqué. C'est bing. On l'a piqué, bah, à mon avis, quelqu'un a juste dû pas faire gaffe. Tiens, je te le rends. Et Knou, je vais t'en donner un pour ta petite femme adorée. Ah, cool. Ah. Elle fait des gros bisous, d'ailleurs. Merci. Voilà. Peux-tu me la rendre? Comment? Peux-tu... Ah, merci. Voilà. C'était le frère d'Indara qui avait ma pioche, il me l'a rendu. Ok. Tu regardes comme ça. Oh là là. Pas de me regarder comme ça. Ah, il y a un chien là. Coucou. Ah oui, donc les chiens, il y avait plein d'os à goûter, donc si vous voulez... Il y a Knou qui écrit un message à Kata pour dire oh, « Putain, qu'est-ce qu'on s'en meurt à cette fête ?» T'as bien fait ta pioche. Oh, merci Legendary qui a donné 12,22€, merci beaucoup. Un anniversaire quelque part, merci. Merci, c'est super gentil. Merci. T'es toute chamboulée, je veux dire.
Bah oui, mais écoute, c'est pas... écoute, quand t'as des gens que t'apprécies... Comme... Qu'est-ce qu'on m'a acheté? On me jette des... Qui me balance des gâteaux? Je me pose la question. je vais les mettre. On va les mettre pour le pauvre gars là qui est à la réception depuis tout à l'heure et qui a soif là. Voilà. Ça c'est. Oui, celui qui nous parle même pas avec son GSM quoi. C'est bon, on ne regarde pas. Mais il tient un cadeau en fait. Hein, il tient des cadeaux. Voilà. Ah bah y a In Brother qui a l'air super intéressé par le loup. Oh là là. Ah c'est... Oui non c'est... Les gars, est-ce que je peux lire un petit commentaire? Oui bah vas-y Vivi. De Hatsune Miku qui dit: jeudi est plus belle que le soleil couchant, elle est plus drôle que le rire en lui-même, elle est plus intelligente que la déesse Athéna. Quand je dis passe une année, c'est une pétale de fleurs qui s'ajoute à cette fleur aux mille et une couleurs. Je dis, elle est la meilleure des meilleures. Oh purée, mais vous êtes des gros malades. Bravo. Particulièrement à Fan de Mikotsune, parce que c'est un sushi qui est tout le temps là sur. Oui, Fan de Mikotsune, c'est vrai, oui, parce que elle est vrai que je la vois toujours là. Elle est toujours là du début à la fin. Petite question. Ça vous dit qu'on fasse un discours? Tu comptes continuer à me faire pleurer ou un truc du genre enfin, je sais pas. Allez. Oui hein. Aujourd'hui ça sera le concours de qui va faire chier le plus jeudi. Bon bah voilà, je vous en prie, faites un discours si vous voulez. Tout le monde s'assied. Ou bien on fait chaise musicale. Bon voilà, d'accord, voilà, je reste là, voilà. Miku Hatsune est vachement taiseuse quand même. Hein. Ah, Darky a pris le pouvoir là. Je vais quand même juste remettre peut-être un petit peu de musique pour que ça soit plus fun. Voilà. J'ai essayé de trouver un verre. Enfin, pas plus fun, mais. Ah, j'avais pas de verre. Pourquoi faire avec la cuillère ding. Il n'y a pas de verre ici, je suis désolée. Je sais. Tu veux une bière? Ah si, je sais. Je sais pas si ça va marcher. Oh purée, ça marche pas. Oh, ça marche pas, bon bref. C'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Là, on a compris. Ding, ding, ding. Bon, d'abord, je tenais à remercier tout le monde qui est ici présent d'être aussi gentil ici... Je sais plus, si marrant, si tout. Et surtout toi, Jody, car c'est grâce à toi que j'ai affronté certains de mes défauts, que j'ai réussi à me reconstruire quand ça allait mal. Bon. Et beaucoup de choses comme ça. Vous allez avoir dur de battre ça, les gars, celui qui. Vous allez avoir dur, il y a du niveau là. Merci, chouchou. Et on va devant. Et lire comme ça quelqu'un? Non, mais aussi, c'est ça au pif. Hein. J'ai dit le mot élire, mais je cherche un autre mot, mais vu que je suis dyslexique, bah désolé. Moi, je sais qui je vais élire. Quelqu'un qui parle pas beaucoup, même s'il a mis un petit mot dans la vidéo, Indaral, allez. Oh là là, il me regarde, genre qu'est-ce que tu me demandes là, toi? Il s'est même déjà barré, lui, il fait son aventure solo dans un coin, là, sur le truc, c'est fait. Non, ça va. T'as vu quelqu'un avait posté un message? Alta a écrit un petit mot? Oui, c'est pas... Oh, merci! Oh, l'ancienne team d'X-Cube regarde le live! Oh, bisous à vous, les mecs! Bisous partout! Enfin, t'es pas partout, quand même. Presque partout. Oh là là. Non, je sais pas, non, qui a envie. Ça y est, là, on veut déjà me bourrer. Là, je vois quelqu'un qui m'a ramené 4 stacks de bière, là, c'est fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut me saouler comme ça. Non, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il y aille, mais je veux pas du tout forcer les gens à y aller, sinon rien à dire. Beaucoup de gens qui sont ici sont passés dans la vidéo, donc voilà. Non, bah, Kibo, si tu veux passer, tu peux, hein. Hop, on va éviter de marcher sur le gâteau, hein. Mais non, mais ça le rend meilleur. Hop, on enlève son casque, hein. Quelle classe, quelle dame. Voilà. Avec le nœud derrière. Enfin bref, Glenn Maupress.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu peux dire une blague ou une devinette si tu veux, hein, ça marche aussi. Je te renvoie ta tête, tiens. Tout simplement, c'est simple. Donc tout simplement... Elle va taper Glenn ou c'est que je rêve? Mais si Glenn il m'envoie des tomates, c'est méchant. Mais Glenn est perfide, c'est bien connu. Glenn est méchant. Donc... Oh le petit mot de Vivi qui... Glenn est méchant, mais genre posé, quoi. Oh là là. Mais sincèrement, je dirais un gros merci, parce que passer du temps sur le TeamSpeak m'a permis de faire des rencontres et de me faire de nouveaux amis, comme Darky, Romosi, toi, Glenouille et compagnie, et c'est vraiment sympa. Le fait d'être sur TS m'a donné l'impression d'être... Je savais que quelqu'un pensait à moi, entre guillemets. Donc... Parce que dans la réalité, je suis quelqu'un de plutôt solitaire et on ne pense pas forcément à moi. Voilà. Bravo. Et donc voilà, je vais juste faire un gros merci bah, à tout le monde. Ce qui est chouette, je trouve, c'est que sur le TS, en fait, il y a toujours une bonne ambiance. Enfin, et quand il y a... Une brosière, oui, va un peu plus loin. Quand il y a... Enfin, il y a toujours une super bonne ambiance et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être avec vous tous, de rigoler, enfin... Je trouve qu'en fait, qu'on est du moins par rapport à ceux qui sont habitués dans les salons privés, il y a vraiment une bonne ambiance et quand quelqu'un pas bien, il y a toujours quelqu'un pour le réconcilier, pour le... Voilà, ouais, non, pour l'écouter, ça, et puis, mais puis même dans les autres, quoi. Enfin, je sais pas, vous êtes géniaux, en fait, j'ai que ça à dire. C'est... Ouais, et ce voilà. Qui est bien, c'est qu'en allant sur le TS, on sait toujours qu'il y aura quelqu'un pour discuter avec nous. Oui, c'est vraiment très rare qu'il y ait personne, il y a toujours quelqu'un qui sera toujours sympathique pour discuter avec nous. Mm-hmm. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai que là, sous le TS, on n'a pas prévu de prendre de switch aujourd'hui parce qu'on est beaucoup dans la conversation. Je sais pas combien on est, mais on est beaucoup, énorme. Beaucoup. Donc, voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'après, je peux toujours passer. Je voulais juste faire un gros bisou à Tigra qui est dans le chat. Si elle veut nous rejoindre sur le TS, elle peut, il n'y a pas de problème, oui. on la switchera. On est 16. Voilà. On est 16 sur le TS. Et qui me balance encore de la bière, purée. Mais les gars, j'ai mangé Grégoire, du... Greg, j'ai mangé du gâteau. T'as vu le gâteau que j'ai bouffé tout à l'heure? J'ai les dents du fond qui baignent. Je les ai même pas encore digérées, chouchou. Et là, avec les émotions que je viens d'avoir, là, c'est fini, hein. Tu me récupères pas. Bah, moi, j'aimerais bien dire un petit mot aussi. Vas-y. Il va nous faire une chanson. Non, Glenn, descends, mets-toi sur une chaise, Glenn. Comment elle se fait taper? J'ai donné une tape. Ben, moi j'aimerais bien remercier une cougarde qui a... Oh mais genre le mec. Une cougarde. Oh le mec. J'ai 28 ans. Non, franchement, comment... Jody, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et ça fait 3 ans que... Voilà, que pour moi, t'es ma meilleure amie. Car tu m'as entre guillemets délivré d'une période très difficile pour moi. Et voilà. Je suis vite en fleurs là. T'inquiète, moi aussi. Tu veux une bière? J'en ai plein dans mon inventaire. Allez, on va boire ensemble. Ah ouais, ouais, on va tous boire, ouais, ouais. Merde, j'ai plus de place sur moi, je voulais me mettre à poil. Et même dans les moments les plus difficiles, t'as su me faire rire. Et... Voilà, je trouve ça. Ouais. Désolé. Après voilà. C'est les titi, pardon. Ouais non. Merci chouchou. Alta qui a écrit un après... message encore sur. Merci. Je suis dans le après, salon. Voilà, avec j'ai pas avec pu nous. Faire. Du coup, il est avec nous maintenant. J'ai pas pu faire une vidéo hyper longue non plus pour ajouter dans la vidéo Dux. Mais c'était parfait, tranquille. Parce que j'ai des petits problèmes techniques. Mais voilà, quoi, j'ai fait mon possible et je tiens à remercier aussi Dux d'avoir pu implanter la vidéo. De rien, chouchou. Bon, sur le canapé, quoi, voilà. Donc voilà, j'ai tout dit. Pourquoi est-ce qu'il m'ouvre les photos, lui, de Minecraft? Oh là là, c'est fou. Désolée, j'ai encore du mal à me remettre de tout. Ah là, les gars, c'est... Oui.
Mais franchement, désolé. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis toujours un petit peu choquée. Il y a une Dara qui est en mode trempe tes lèvres, c'est ça, que tu files de la bière à tout le monde, c'est ça. Elle traînait par terre. Tant que tu es pas par notre fille, ça m'arrangerait, hein, s'il te plaît, hein, parce que là, la pauvre, elle est avec sa cousine mozzarella. Ah là là. Ça, Glenn et Kibo, votre truc est prêt ou pas du tout? Non, pas du tout. Je galère. D'accord, pas de soucis. Non, quelqu'un veut me parler? S'il y arrive. Roi Louis a des boules, c'est ça? Roi Louis a des boules. Ouais. T'as dit quoi? Ouais, c'est probable. Personne n'a été vérifié. Ah, il y a Lightsoul! Bonjour! Salut! Tu vas bien? Ça va. C'est pas toi qui m'avais aidé une fois parce que je m'étais fait kill sur Xcube? J'ai fait plein de trucs. C'est possible, c'est bien. Ah, oh, bah écoute, bah bienvenue dans ce live. Bienvenue. Ah oui, dans live. Bah oui, tu il y a exactement, vous êtes très exactement les sushis. Hops. Vous êtes exactement 80 à regarder ce live. C'est super. Oui. Ah. Oui, c'est vrai. Ça, respire. Tout va bien se passer. Personne ne te mangera. Tu as vu, il y a une bonne ambiance ici. On boit que de la bière. Il y a des stripteaseuses. Tout va bien. Je ne me mettrai pas à poil, donc tout va bien. Qui a fait A quand j'ai dit que je ne me mettrais pas à poil? C'était quoi cette insulte? Non, moi j'aurais pas dit A. Ah, j'aurais fait oh. Oh, toi t'es un peu lèche-botte sur les bords aussi. Hein. Oui, Alta? Ouais, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a, Alta? Dis-moi. J'ai le bonjour de Sorcilius qui peut pas passer mais qui te souhaite un très joyeux événement. Oh, Sorcu! J'ai jamais parlé avec... Ah si, une fois, si, j'ai déjà parlé avec Sorcilius sur le test de Xcube à l'époque. Mais tu lui avais fait un petit mot à la Medinazia. Oui, mais ça, je me souviens bien, ça. Mais, Poussin, je te remercie de... Poussin qui me gave de bouffe. Regardez mon inventaire, les sushis. Regardez cet inventaire. J'ai à bouffer, mais pour, voilà, je sais pas, Tout est racub, on va dire. Bah oui, mais en même temps, la bouffe ici est gratos. Là. J'en connais qui vont remplir leur backpack. Ouais, la glace! La glace. Ça va, Glenn et Kibo, vous en sortez? Je vous vois tous les deux, là. Ah bah, si quelqu'un a droppé les alliances, on peut leur filer, hein, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe, là? Je vais loin. Un mariage en plus, c'est pas mal. Oh mon dieu. Ah oui, si vous voulez, on pourra fêter des mariages ici. Darky, ouais. qu'est-ce que t'as bu pour être dans cet état-là, Darky? Comment ça? Je vois qu'il y a des trucs qui vous entourent, des petites bubulettes, de des petites bière. Particules. Ah, la bière rend malade ou quoi? Non, la bière donne de la speed. Oh mon dieu. Oui, bah oui, sauf que tu te prends sur tous les murs, à mon avis. Moi, je suis en train de me faire un stock à manger parce qu'il me manque toujours de la bouffe à chaque fois que je pars en aventure. Oh, le mec! Le mec, en fait, il fait comme. C'est comme dans les mariages parfois. Les gens, on s'en fout des gens chez qui on va, mais on leur fait coucou, mais on prend tout ce qu'il y a à bouffer, en fait. Et là, maintenant, il y en a plein qui. Bon, je n'inviterai jamais Jodine sur le mariage. Au moins, il l'avouait. Je suis sûre que d'autres qui vont le faire, mais qui vont pas le dire. Ah, mais de toute façon, c'est un petit peu le but, hein. C'est un event, donc. Autant, c'est maintenant qu'il faut en profiter, les gars. Donc, je le redis, est-ce que tout le monde a des petits téléphones portables? Oui. Je le redemande, oui. Parce que... Donc, les téléphones portables, déjà, c'est pour le swag. Parce que, voilà, c'est swag. Voilà. Parce que c'est pas un objet qu'on sait crafter. Et puis, en fait, j'ai pas encore d'idée par rapport à ça. Mais je compte ajouter des quêtes dans lesquelles le PNJ vous demandera au moins de montrer le téléphone, mais vous le prendra pas. Donc voilà, donc ceux qui sont vous venus vous aujourd'hui. Que vous êtes hype. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc s'il y aura que ceux qui sont venus aujourd'hui qui ont fait la quête avec Blackwell qui auront ce petit téléphone. Maintenant voilà, comme elle travaillait, Kata, c'est ça que tu m'as dit, Knuta?
Oui, malheureusement, elle travaille oui, jusqu'à minuit. Enfin, ah bah, bref, voilà, elle travaille tard. Sinon, elle serait, si elle, si, je savais qu'elle serait venue, donc voilà. Donc, ah oui, oui, c'est normal qu'elle ait son petit, qu'elle ait son petit téléphone. Donc voilà. Ouais. Bah, moi, je tiens à remercier. Moi, je tiens à remercier quand même tout le monde parce que quand j'ai chanté, tout le monde m'a donné de la bouffe. C'est une bonne chanson française. J'ai ça. Oh là là. Tigra qui dit pas de soucis ma belle Tigra, tu viens quand tu veux, tu sais bien. Bois tes bières s'il te plaît. Il y en a qui veulent que je boive mes bières, mais j'ai pas faim. Mais non, mais il y a pas besoin d'avoir faim pour boire les bières. C'est vrai? Ouais. Oh purée! Ouais! Oh purée, mais c'est génial! Qui boit le plus de bières? Allez, vas-y, on va faire des jeux à boire, on va faire des jeux à boire, on va faire des jeux à boire. Ouais! Hop. Oh purée, j'ai oh purée. Pas de bière, Tiens, tu veux un stack de bibine, oui, Thibaut. Un stack de bibine. Viens près de moi, viens près de moi. On dit rien parce que je suis mineur. Merde. On va dire que c'est de la Hoegaarden. Oui, j'ai dit bah, avec toute cette bière, t'as les yeux Marie-Louise. Les yeux Marie-Louise. C'est quoi les yeux Marie-Louise? Ah oui, c'est une expression de chez nous. Ah ouais, n'en a pas. Eh, mais là, tu me tapes. Tu veux que tu te dérousse, toi? En truc de beurré, ils vont se taper sur la gueule, ils vont rien comprendre. Attendez, je vais juste retirer mon armure parce que j'ai pas envie de se prendre des dégâts. Voilà. Non mais fais gaffe parce que quand on prend l'air, parfois c'est pas forcément mieux. Hein, Non mais y'a Ildara, tu vois. Hé, hey, qu'est-ce que tu veux faire à mon homme, toi? Non mais dis donc, y'a Ildara, mais oh, ça va aller, oui. Et hop là. Voilà, c'est fait. Il y a Poussin qui est dans un coin, qui est. Il y a Poussin qui est tellement pété qu'il pisse dans un coin. C'est fait contre la statue. On t'a vu, Poussin. C'est pas la peine. Range ça que je ne saurais voir. Et attends, peut-être qu'il va faire pipi dessus et dans ce cas, il sera jaune Poussin. Ah mais switchez hein, les gars d'Xcube, switchez-les. Ah mais Festray qui est là. J'avais même pas entendu. Et je l'entends toujours pas. Mais il vient d'arriver. Bonsoir. Salut. Vous allez bien? Bah bien, et toi? Bien, bah très bien. La forme? Joyeux anniversaire jeudi du coup. Merci. J'espère que tu passes une très bonne soirée. Ah bah je crois que t'as pu voir. J'ai vu ça. Je suis toujours vivante, c'est déjà ça. Bah voilà, comment est-ce que je dévergonde mes modos qui ont tous les deux. Vous avez tous deux 14 ans, des Darky et Kibo, ça je me trompe pas. Oui, oui. Voilà, je. Bah voilà, je dévergonde mes modos, c'est vrai. Voilà. Bah y a pas que qu'elle a dévergondé, hein. Oh oui, mais toi t'étais déjà irrécupérable à la base. Oh, et Vic qui est déjà. Ça c'est vrai, ça, Vic qui me connaît depuis tellement de temps. Oh là là. Ah bah tiens, moi je sais, vie n'est pas. Attendez, moi je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire un truc. Vie n'est pas sur Minecraft avec nous. Ah là, il y a Lynn avec nous qui, la petite sœur de Kibo. Je vais vite faire un truc. Comme vie n'est pas avec nous matériellement sur le serveur. Je suis avec vous par la pensée. Et par l'amitié. Je vais faire un PNJ de Vivi dans Minecraft. Oui, je bois pas de bière virtuelle, mais je bois du rhum pas virtuel pour fêter ça. Calme-toi, Sorette. Trop mignon. C'est ma bière. Bon, il faut que j'aille boostifier, d'accord. Pas de souci, bah bonne app. Passe une bonne. Merci d'être passé. Je décore Koya. Je vraiment. Sais pas c'est à qui, mais comment. Bisous. Ciao. J'ai looté une épée avec les une épée en diamant avec les enchantements puissance 5 et enchantement 5. T'as qui? Et quoi? C'est à moi. C'est à toi, Poussin? Oui, parce que j'avais une épée de saucisse et je la retrouve pas. Ah, attends. Non, je la rends. On va faire participer Vivi au live autrement. Oui. Bah, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a pris. C'est moi boire de la bière. Tu bois de la bière? Non, fais-moi boire de la bière. D'accord, ok, sans problème. La Hoegaarden, c'est la vie. Lynn! Oh. Ouais, comme tu dis. Bon, déjà, vie, imite très bien le PNJ, donc voilà, ça c'est déjà génial. PNJ sur. Jodie. Oui.
tu as mon épée, je crois que t'es passé devant. Ah bah écoute, je vais te la rendre 2 secondes. Vous voyez la PNJ minute là, les gars. Belle à belle quand même. Bah oui, tracasse. Allez. Des bouteilles partout. Ah merde, j'ai oublié de mettre le. J'ai oublié de mettre le, la tronche. Bon, elle est mignonne, elle est mignonne, voilà. Voilà. Darkie, ah, elle boit pas de bière. 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 Ça ne va pas. Attends. Je vais faire une quête avec Vivi qui va donner de la bière. C'est normal qu'il y ait un lien au-dessus d'elle. Ah oui, c'est moi qui me suis failé. C'est moi qui me suis failé. C'est le lien de l'image en fait que j'ai utilisé. Voilà. Bravo. Bon, oui. Il y a Tigra qui t'a fait un gros pavé sur le chat et c'est en train de disparaître, donc il faut que oula, tu... Oui. Je n'ai jamais pensé devenir ton ami, dire que j'avais fait toi en pulipe et dire que ça faisait 1 an que je suis ton ami. Merci de m'avoir soutenu dans mes périodes de séduire. Merci à toi et aux autres, vous êtes des super amis. Je suis ravie que mon cadeau t'ait plu. Oui, ma belle, oui, merci. Oui, mais moi aussi, j'espère que notre amitié continuera, ma belle. Je vais vous montrer le cadeau que Tigra m'a fait, c'est super mignon. C'est une petite chibi de Super Sonico qui est juste adorable. Je la surkiffe, elle est trop mignonne, trop mignonne. Et je la garde sur mon bureau, vraiment tout près de moi, parce que voilà, j'aime bien te la regarder. Alors, Yayo est parti. Je sais bien, il avait dit tout à l'heure, de toute façon. Oui, non, mais je veux dire, là, il vient de se connecter au cas où... Le temps que Kibo et Glenn terminent ce qu'ils sont en train de faire, je propose sa vie, voilà, elle est sur la scène. Est-ce que tu as des anecdotes croustillantes à raconter? Oh putain, je me mets en danger, là. En sachant que Vi, on se connaît depuis des années, qu'elle m'a déjà vu saoul, qu'elle m'a déjà vu dans des états pas possibles. Non mais... J'ai déjà vu à poil. À poil aussi, c'est vrai. Sans poil aussi, d'ailleurs. Ça aussi. Oh là là, ça sort les dossiers. Donc fais attention à ce que tu vas dire, notre amitié est en jeu. Écoute, il y en a tellement. Oh purée. Bah, je sais pas, dis un truc, un souvenir que t'as, une connerie que j'ai pu dire, une connerie que j'ai pu faire sans citer mes ex. Oh, ça fait beaucoup de conneries. Ouais, ça fait beaucoup de conneries. Bah, écoute, le premier truc qui me passe par la tête, c'est la première fois où je t'ai vu bourré. Oh purée. Tu veux vraiment raconter ça? Bah, ça ira vite. Ouais. Donc, pour faire court, on était à l'Uni déjà quand oh, même. Oh ouais. Pour le peu de temps que je prépare la bouteille, les gars, déjà là. Et, pour oublier tout ça. Et donc on était sortis avec des amis et ni jeudi ni moi ne buvions vraiment d'alcool à l'époque. On s'est bien rattrapés depuis, mais pas à l'époque. Et après quelques shots, sûrement deux, hein. Elle était un peu saoule dans la rue. Oh merde, oui. Un petit peu saoule dans la rue. Et du coup, elle a vu un type de notre classe. C'était pas à l'UNIF, c'était l'année d'après, j'étais en relation publique. Non, c'était à l'UNIF. C'était ouais à... Ouais, un type de notre classe qui se baladait dans la rue, qui sortait du bar ou un truc du genre, et elle commence à gueuler dans la rue. Hé, hey, mais je te reconnais, c'est toi le connard. En gros, ce gars-là, je ne le supportais pas, c'était vraiment le mec snobinard qui m'a supporté, et j'ai commencé à l'insulter en fait de connard, parce que voilà, et il a vu que j'étais bourré. Tout en rigolant dans la rue, en ne sachant plus trop bien marcher déjà. Ouais, en plus marrant. J'avais des escarpasses ce jour-là, je vous raconte pas, c'est trop cool. Ouais. Il m'a fallu une demi-heure pour rentrer chez moi, alors que d'habitude je mets 3 minutes entre l'arrêt de bus et ma maison. Ouais. Oh, je viens de me rappeler d'un autre truc. Aïe. Petite anecdote, quand... Bon, c'est pas très marrant pour toi évidemment, mais... Oh purée. Bon, moi ça m'a quand même fait un peu rire sur le moment. Attention, dis le thème d'abord. Le voyage réto. Donc on est allé à Paris au voyage de fin d'année en vélo. Si c'est avec le gel douche, t'évite. Ok. Oh non, c'est bon, raconte. Entre bon, des filles de la chambre qui sont franchement pas sympas. C'était des grosses connasses. Elles s'appelaient Céline et c'est quoi encore le nom? Delphine, voilà, c'était deux grosses connasses. Donc, elles étaient voilà. Franchement pas sympas et elles ont mis du gel douche dans les chaussures de vélo. Exprès. Ouais.
C'était elle en fait. Elle, on m'avait dit que c'était des mecs de l'autre de dortoir en fait. Je pense que c'était elle. Ah, bande de pétasses. et la meuf, il y a 3 ans, elle m'a demandé un ami sur Facebook et je lui ai demandé si elle était conne ou si elle se foutait de ma gueule. je lui ai envoyé texte ça comme message. Voilà. Elle était très conne. Aussi, oui, c'était une. Ouais. Oui, voilà. J'ai c'est tout, c'est tout. Le creeper ici présent, des anecdotes. Oui. Ah oui, mais non, c'est le frère d'Indara, chez qui il y a beaucoup de bruit, donc oui, non, le pauvre, il se mute depuis tout à l'heure. Désolé, Greg, de toute façon, tu pourras te démuter quand le live sera fini. Il n'y a pas de souci. Ouais. Personne n'a rien d'autre à dire des anecdotes, des souvenirs, des histoires, tant que nous sommes... Tant que nous sommes en mode histoire... Mais il y a mon chat qui mord depuis tout à l'heure. D'accord, nous saurons tout sur la vie de Titi. Mais attends, oh Glenn, je sais ce qu'on peut montrer. On leur montre le bug avec les trolls et les gants. Mais il m'a montré moi Glenn. Les trolls ou les ogres? Avec, c'est pareil, non? C'est pas la même bête ça. Je sais pas le bug que j'avais déjà fait avec toi Glenn une fois sur Dumbo. Je crois que je vois ce qui de quoi il s'agit. Ouais. Moi, je pense. Oui. C'est un petit bug. J'ai fait une fois avec Glenn sur Dumbo. C'est un petit bug de texture. Pas de texture. Oui, c'est les gants. Où est-ce qu'ils sont? Voilà les gants. Je vais mettre mes gants. Ils sont au niveau. De... Et on va tous se mettre en troll ceux qui ont des gants. On va tous se mettre en troll. Là, ça va être le live des bolos. Là, je vous préviens, les gars, là, il y aura du niveau. Hein. Ah ouais, non, mais là, il va y avoir. J'ai vu, j'étais là. Un niveau mais jamais atteint sur la chaîne. Ça va passer en ping. Mais Titi, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas de gants, je crois. Mais en fait, j'ai des gants, mais je les vois pas. Mais si, bah si, si, donne un coup, tape un coup dans le vide. Mais... Tape un coup, voilà, oui. Non, moi je vois rien. Non, mais regarde pas nous, on voit. regarde le live, mais coupe le son. Regarde le live, mais coupe le son. Ouais, mais attends, ouais. En plus, c'est les roses, c'est pas magnifique. Ah ouais, mais c'est magnifique là. T'as un truc quelqu'un qui est. Media. Le truc sur le lien Twitch sur le TS. Bah là, tu vas essayer de manger le morceau sur ma chaîne Twitch. Ouais, attends. Tu veux le lien? Moi, la chaîne Twitch. Ouais, je veux bien le lien. Quelqu'un s'est donné le lien pour pas que je dérange ouais, toutes oui. mes fenêtres. Je vais m'en occuper. Attends. Merci beaucoup. Hop. Hop. C'est magnifique, hein. On va faire un défilé. Ah oui, mais ça, on passe pas les portes avec le défilé des. On peut faire un défilé tout court de skins. Mais moi, j'ai pas un super skin. Moi, j'ai mis mon skin habituel. T'as pas des skins qui traînent? Mais oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut se déco, reco, enfin, tu vois ce que je veux dire, ouais. Ça va. Ce sera un petit peu de. Un peu. Glenn, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Glenn! Les mecs, ils... Oh non! Oh non, mais le mec! Glenn, viens. Oh, mais le mec! Oh, Kibo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont à poil? Non. Mais non. Qu'est-ce que. Glenn, elle a 14 ans! Tu te calmes tout de suite! Elle a 14 ans! Pour défendre Glenn, donc, je tiens bien que j'ai eu l'idée débile de faire ça. Je tiens déjà à signaler que ceux qui n'ont pas remarqué, nous jouons avec des angles qui ont des couilles déjà. Désolé, c'est moi que j'aimerais peut-être pas dire. Non, mais moi ça me fait chier, je vois rien. Mais regarde quelqu'un d'autre, Titi, regarde quelqu'un d'autre. Mais non, mais ça marche pas, ça marche sur rien. Mais si, regarde quelqu'un qui. Non, je vois les grandes personnes. Même pas les. Attends, je suis en train de mettre le live. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vouliez faire un show, c'est ça? Alors, jeudi, Glenn va jouer le petit sexy pour toi en bas dans le club privé. Oh non. Allez, merci. Oh my god. Oh my god. Ah oui, c'est alors, bon, joie. Glenn, tu commences par le casque, hein. Attends que je dis ça, là. Oh non. Oh non. Moi,
Moi, je vais mettre près de Kibo, voilà. Je mets près de Kibo et Darky, voilà. Et vite. Mais là, t'es... Non, mais tu quoi. Oh, Glenn, c'est tellement... Oh là là. Alta, viens près de moi. Que les meufs viennent près de moi, au moins. Bah, Ayoux, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ayoux, elle est au bar, en fait. Elle chipote pas. Elle n'a rien à battre, elle boit, en fait. Moi, je vais boire pour noyer ma peine, moi. Allez, Glenn. Oui, voilà, je vais te lancer des pizzas, Glenn, ça te va? À moins que tu préfères les glaces. Oui, Glenn, le pompier sexy. Allez. Ça me fait... Oh bah, ah bah là les Dezumi Sushi, là on les voit en 2 secondes, hein, pendant le live. Ah bah je vois ça. Enfin il est très bien quand même, hein, je te rassure. Oh là là. Il y en a qui me demandent si j'ai bu. Non, je vous rassure les gars, je bois du Monster. C'est pas de l'alcool, je ne suis pas saoule. C'est juste que je suis de très bonne humeur. Je suis de... En fait on fait des débats avec les ouais. Autres monde, je dis là. Et Lina, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais avec la danse? Oh non, non, ne t'approche pas de moi, Glenn. Non, non, je ne suis pas prête à ça. Je ne suis pas prête à ça. Je reste au bar, voilà, c'est fait, près de Yux, moi. Je reste au bar, j'ai trop peur. Oh là là. Bon, je donne un peu de pizza si tu veux. Allez, Glenn, tu peux le faire. Tiens, un peu de pizza si tu veux, mais ne t'approche pas de moi. Fais des trucs sur Knut. Fais des trucs sur Knut si tu veux. Je suis marié. Mais moi aussi, mais mon homme s'est barré. Il a la purée à la battre, il s'est barré. Bon, mais il a... Ah oui, d'accord, je comprends maintenant. J'ai pas capté. Il y a Titi qui se dit bon bah. Il y a le Ferdinand qui me donne des popcorn. Bah écoute, je te remercie. Ah bah Titi a l'air intéressée, Glenn. Non, mais allez, Didi, assieds-toi. Ah, de quoi tu veux que je me mette toute nue aussi? Mais j'ai non, pas de... Ah, mais j'ai un skin de moi tout nu. Mais non, peut-être pas quand même. Mais ça existe. D'ailleurs, j'ai déjà fait une blague à Titi avec ça, mais... Oui. La blague avait un peu foiré parce que le skin n'avait pas chargé. Ma chère Vénus. Oui, moi... Oui, il y a un skin de moi tout nu qui existe, hein, sur Nova Skin. Bon, je crois qu'il est AFK ou qu'il... Et vous êtes des fous, hein. Et avec la petite musique là qui passe en plus dans le fond, ça fait très club là. Moi j'ai un vieux skin de moi en maillot de bain, tu sais. Il y en a qui disent que ça part en steak, mais complètement que ça part en steak. Je suis ça tout part à fait. En pizza et en popcorn, ben. Ça part toujours en steak. Donc, ouais, toujours en steak. Moi, bon, tu te rappelles, Gudi, quand j'avais mis une statue au-dessus de ta maison avec une barre. Après, oui, je me rappelle très bien de ce moment-là. Oh mais ça y est, il tape sur Poussin. Là, ça commence. Glenn, tu es magnifique. Ce petit maillot, ce petit string est très saillant. Franchement, tes petites fesses, ça te va à ravi. Je dis, j'ai un skin de bikini. On peut taper avec de la glace. Tu fais avec le danseur. Attends. Les sushis, je ne contrôle plus rien. Je ne contrôle plus rien. Ah, parce que tu contrôles quelque chose. Bah écoute, je pensais, mais en fait, non. Glenn, il aime se faire frapper sur la tête. Les levier robots. Non. Ils ont tué Glenn. Ils ont tué Glenn, non. Bonne nouvelle. Qui a pété la carpette de la salle ici? C'est pas moi. Qui a pété moi. Greg, tu sais remettre le tapis, s'il vous plaît? Ah, c'est une d'arabe. Greg, vas-y. C'est... Mais tu peux l'appeler Greg, hein. C'est juste en fait que... En fait, le compte Minecraft de Greg, en fait, c'est nous qui l'y avons faire. Et Inda lui a pas laissé le choix. Pseudo, donc voilà. Glenn. Attends, vas-y, je soutiens Glenn, voilà. J'ai le vieux skin de bikini. Oh là là, c'est toi. Glenn, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ce pauvre poteau? Il ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Qu'est-ce qu'il y a, Indara? Ah oui, je voulais quelqu'un qui danse, mais on m'en avait déjà... Ne m'approchez pas. Je crois que j'ai un bouclier quelque part.
Merde. Il faudrait appeler Bob Layton maintenant. Ah, que Bob fasse ça. Que Bob fasse ça, je doute. Je doute très sincèrement que ce genre de choses arrive un jour. Ah non, peut-être pas qu'il fasse ça, mais bon. Y'a de la bière là-bas, y'a de la bière, y'a une bière. La fille qui se jette. Il serait là, il dirait tant de nudis. Y'a un dindon, y'a un dindon. Qui veut. Quelqu'un veut un bout de dindon? Moi je dis. Qu'est-ce qu'il y a, Indara? Réfléchis bien à la façon dont t'as les nudis. Quelqu'un veut se faire le dindon, oui, je sais bien, j'allais dire ça, Indara. T'as tout compris. Mais Inbrowser, Greg, je déconne, hein, c'est un joueur, comme tu peux voir, ce dindon est muni de gants très saillants, donc voilà. Putain, je sors de la salle des fêtes et il y a le vidin qui est en train de me reluquer, mais c'est magnifique, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir à l'entrée. J'ai Creeper qui est en train de me mater en maillot de bain. Non, je. Tu sais, avec son téléphone en main en train de faire une photo. J'ai une proposition à faire, mais je crois que je vais vous la faire. Je propose qu'on fasse une petite pause. Moi, je vais aller nager, un bain de minuit, tu sais. Je propose qu'on fasse une petite pause. Mais vas-y, Glenn, montre-toi à la cam. Vas-y, fais l'amour à la caméra. Oh purée, là, ça fait vraiment très string là. Oh là là, ça de merde. Bon, je vais faire une petite pause au live. Donc, oui, Glenn est devenu incontrôlable. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je vais faire une petite pause au live et on vous reprend dans 5 petites minutes. Je vais vite aller chercher des choses à grignoter.